Wesh! Allô, allô! Bonjour! Bonjour! Wesh! Eh, oh, fermez vos gueules, non? Je vois dans le chat, toi, t'es où, ta mère et tout? 22h01! Je suis à l'heure, bande de fils de pute! Non, je rigole. Ça va quoi, les gars? Tranquille? Bon, désolé, attends, je vais juste mettre la lumière, vous êtes des ouf! Oh, j'arrive, je suis en train de lancer le stream. Oh, t'es où, bâtard, ta mère? Oh, tranquille, tranquille. Ça va, on est à l'air ici. Vous allez bien? Tout tranquille, tout va bien? Tout va bien? Super. Bon, vous avez l'air de bonne humeur. On va tweeter. On va tweeter pour. Je tweete en rapide et comme ça, c'est fait. Hop. Hop là, bonsoir. Bon, désolé, hein, ça a mis un petit peu de temps. Là, on a préparé. Enfin, on a préparé. Non, on n'a rien préparé. Je suis un gros menteur. On n'a rien préparé. Où est-ce qu'il est, Joël? Je vais ramener Joël là déjà. Où est-ce qu'il est? Ok, Joël. Déjà, il est déjà en retard. Hein. Joël, honteux ou pas, les gars? Franchement, moi, Joël, je pense qu'il est honteux. Attends. Après, en fait, je vais le move de Discord en Discord. Hop. Ensuite, présélection. Et ensuite, ici. Allô? Ah, t'es là, gros? Ouais, je T'es viens? où? Je Tranquille? m'attrape. Eh, tu sais, j'étais dans l'autre channel. Ouais? Je faisais quoi? J'étais en train de faire la KF. Ok. Excuse-moi. T'entends des bruits de mâche? Je mâche, je m'entends direct. La radio, elle est vraiment street, la tête de maman. Attends, mais tiens, tu manges un grec, mais monsieur n'a pas respecté le confinement? Honteux! 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 J'ai appelé Uber Eats. Honteux, restez chez vous! Oh merde! Oh, qu'est-ce que t'as? Non, je suis mort parce que justement, je me disais, quoi, faut que je fasse attention. Faut pas que les gens y crament que je m'en aille. En fait, c'est plus. Je voulais me faire à manger, j'ai eu resté trop peu de temps. J'ai dit, allez, Uber Eats. Le gars, il Ok, est venu et il y avait ok. des mecs, hein, je sais pas, il y avait des mecs qui marchaient dans la rue. D'accord. Ils m'ont lancé un regard en mode, eh, sale fils de pute, tu respectes pas les règles et tout. Toi, gros bâtard, tu commandes même quand il y a le corona? Non, non, gros, Afka, il y a des trucs à prendre, hein. C'est pour l'émission, c'est pour le bien de l'émission que je fais ça. Mais t'aurais pu te faire manger à manger à 20h, on commence un peu tard, c'est justement pour pouvoir parer à ce genre Non, d'éventualité. non, tu sais, j'ai géré les trucs avec les cordes et tout, là. Ok. Il est J'ai où, pris le temps. Yass? Il est où, Yass? Ouais, Lou, ce sale trou de balle, là. Hey, Yass, ramène ton crâne, là. Ce petit enculé, là. Attends, j'ai un message, là. Oh! Attends, ah, tu envoies un message. Wesh! Ouais, fuck yes, merci des beats, Kylian. Bah, j'espère que vous allez bien, on va commencer Quoi, merci. La clipper, il a dit merci des beats. C'est bizarre votre. J'adore les beats, vraiment, les beats c'est le feu, gros. T'adores les beats, hein? Je kiffe, gros. Attends, mais toi, déjà, tu m'as pas lâché avec les ventes de ski, vraiment, je. Ah ouais, oh là 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 là, mais c'est ce qui me fume. Quand je regarde la vidéo, c'est le moment où tu réalises qu'il va se passer quelque chose. Là où je réalise que tu vas me casser les couilles. Merci à toi, Not My Panda, d'avoir ça. Non, vraiment, à ce moment-là, j'ai compris que t'allais me casser les couilles. Oh, ouais, bon, et après tu continues. Il est lancé. En fait, j'étais lancé, et tu vois, vu qu'on était déjà sur Winamax, c'est sur Winamax, je me suis dit, je pouvais pas dire le no homo. Tu vois, no homo, on est sur ma chaîne. Par exemple, regarde, j'ai commencé la radio, enfin, j'ai commencé le live là, Ouais. et il y avait déjà des gens qui parlaient, vu que j'ai lancé avec 1 minute de retard, ils étaient là, ouais, t'as perdu la pute, Zach. Et là, je suis arrivé, je dis, allez vous faire enculer, bande de fils de Ouais, pute. Tu vois, calmez-vous là. je suis sur ma chaîne, je m'en fous. Alors que tu vois, là, comme ça, sur Winamax, je me disais, il faut être pro. Ramenez tous vos petits qui écoutent des autres radios, ramenez-les ici. Déjà, conseil de. Moi, j'avoue, je mange un grec en même temps, c'est pas poli, mais. Mais c'est bien, ça rappelle les Ça méandres de Radio Sex, l'époque où tu bouffais des yaourts. Exactement. Ah là, c'est lourd, là. Ma parole, j'aime trop, c'est parce que souvent pendant les IRL, j'avais faim. Là, je suis bien, petit grec. Arrête, côté, il commandait des pizzas avant les émissions, donc tu Ouais, mais t'avais. moi j'avais faim pendant. Moi je mange toutes les 1h30, 2h. Putain. Tu sais que c'est à ce niveau-là que je suis vraiment jaloux de À part vous mettez ta des aides, vous, morphologie. Hein. bâtard dans le chat, là, vous croyez où là? Je suis jaloux, moi, de ta morphologie, gros. Vraiment. Faut savoir, hein. T'as Pas l'argent, t'as de les. ta morphologie, de ton métabolisme. De ton Ouais, bien sûr. métabolisme. Et de T'as ta les milliers morphologie. d'euros. T'as les milliers d'euros, j'ai les abdos. Ouais, mais le problème, c'est que le corona, il m'a coupé dans ma progression, Ah, là. j'avoue, Il m'a j'avoue. coupé. Après, faut acheter du matos et tout, comme ça, tu vas revenir Ouais, dans j'ai le. vu, mais à 50 balles, 50 balles le truc là, c'est Ah, super c'est un cher. prix, hein, c'est un prix. Bon, Yass, il est où là? Hey, Attends. Lou! On va Hey, appeler c'est le Yass. clochard, là!
Il a dit je suis là, faut me switch. Il est où ce chien? Attends. Faut me switch. Il est où Il est où? Je le vois pas moi. Je le vois pas non plus gros. Mais il est sur quatre channels. Attendez le chat, vous attendez, arrive. Attendez, on va là. On, de toute façon, je sais qu'il y a, c'est là. Je sais que le chat aime ce genre d'ambiance. Attends, je vais l'appeler. Ce genre d'ambiance. Eh, hey, comment ça, fuck Joël? Eh, hey, nique ta mère, toi. Bien sûr, fuck Joël. Arrête tout de suite. Je sais que le chat kiffe ce genre d'ambiance, ghetto. Ouais. Allo, Yass, t'es où, fils de pute? C'est ça, mes interactions. Comme swipe sur le channel. T'es dans quel channel, là? Je sais pas. Attends, là je suis dans vocal général. Vocal général? Mais c'est pas un channel vocal. Ah si, ah si, c'est bon, je te vois. Attends, j'arrive. C'est Marius de 20. Je vais te mouiller dans un instant et nique ta mère. Hein. Ah, vas-y. Voilà, comme ça au moins c'est posé. Et voilà, il y a. Bonsoir. 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 Yass, il va se démuter, il est là, hein, les gars, vous inquiétez pas, il est sous mes yeux. Là. Ouais. Il est sous mes yeux. Hop, merci à ta la recette, Jacques. Oh là, bonsoir Yass. Bonsoir la France, bonsoir Zach et Joël. Comment vas-tu? Comment allez-vous? Ah, franchement, là, je suis à l'aise. J'ai l'impression de revenir aux sources, là, c'est incroyable. Eh, franchement, je suis dégoûté que tu sois là. Vraiment. Mec, j'ai la main dans le fiac, mon gros casse sur mon crâne. Mec, j'ai la main dans le fiac, mon gros casse sur mon crâne, je suis dans mon lit pépouze. Comment j'ai l'impression, là, comment se porte la calvitie? Bah elle est bien, franchement je suis en train de me poser la question si je me rase le crâne ou pas pendant ce confinement, tu vois. T'as envie d'en profiter pour faire des tests sombres? Bah ouais, je me dis on va rester enfermé pendant 5 semaines. Là je me rase le crâne, après comme ça j'ai des nouveaux cheveux bien soyeux. Pépé hein. Mais après je vois qu'il y a trop... Ta forme de crâne elle est bizarre toi. Ouais mais non, mais le problème c'est qu'il y a trop de gens, ils ont rendu le mouvement détestable. Ouais mais ça c'est les gens de Twitter, ça. On s'en fout à la rigueur. Bah ouais. Mais après, tu vois, parce que je vois qu'il y a tout le monde en train de le faire et tout, j'ai pas envie de passer pour un suiveur. Mais faut pas que ce soit Twitter, tu vois, qui ruine un art aussi noble que le fait de se raser le crâne, tu vois. C'est qui est effectivement quelque chose qui est pratiqué depuis la nuit des temps, tu vois. Faut pas que ce soit juste les réseaux qui te dégoûtent de ça. Moi, je pense que tu devrais essayer, même si ta tête, elle a un peu la forme d'un ballon de rugby, tu vois. Faudrait que t'essayes. T'as une belle tête ce soir, Zach. Franchement, c'est propre. Hein. Moi, j'ai rasé hier. Moi, mon oncle, habituellement. Ouais, ça se voit. C'est... D'ailleurs, j'ai fait la remarque quand t'as joué tout à l'heure à Warzone et tout. Je fais putain. Ouais, t'as kiffé, mais toi, Joël, tu dis j'essaye, mais toi, de base, de toute façon, t'as toujours déjà le crâne un peu rasé. Ouais, moi, je suis prêt à la boule. Mais je voulais me faire la boule à zen, mais vas-y, j'ai vu toutes les zoulettes faire des challenges où ils se mordaient les lèvres, j'ai fait vas-y, ça sert à rien. Tu t'es déjà défrisé? Bien sûr, moi, je fais de grave. Bah, je me suis défrisé, j'ai arrêté de me défriser à quoi, 4 ans, même pas? Arrête. Si? Avant, t'avais les cheveux soyeux, genre? Ah, bien sûr, bien sûr. Oh mon dieu, la crédibilité, elle devait être. Avec des cheveux loués, lisse. Sors-moi une photo, s'il te plaît, je veux voir une photo. Attends. Déjà parce que je veux voir un gars avec des cheveux lisses, ça me stimule, tu vois, parce que... Non, moi, mais je faisais des coups de crête, genre, c'est sur mon Insta, et j'ai gardé ces vestiges. Ah ouais, t'as pas clean ton Insta au moment où t'as gagné des abonnés? Ah non, moi j'ai aucune honte, hein, pour l'instant, attends, je vais t'entraîner. Ok, lourd. Yass, j'ai baissé ton son, juste pour que le chat nous dise, tu peux parler, comme ça on voit si ça va. Attends. Non mais allez, va baiser ta mère, là, c'est moi qui... Parle normalement, s'il te plaît. Bonjour, ouais. Je suis en confinement. Ok, non, en plus, toi, t'es pas... Parce que, tu vois, il y a des gens, ils sont confinés, mais toi, t'es pas confiné, t'es confiné à Angers. C'est... Non, non, mais moi, c'est le vrai confinement, parce que vous avez un beau confinement en famille et tout. Moi, c'est le vrai confinement pur et dur dans un 30 mètres carrés tout seul. Moi, c'est de la survie, là, que je suis en train de faire. Et mon mental, il en prend un coup, là. Et t'as dérogé un petit peu, ou pas? Genre, t'allais voir peut-être des potes à toi, un truc comme ça? Non, franchement, je fais pas le fils de pute, tu vois, parce que la situation, en vrai, elle est grave, hein. Ouais, elle est chaude, ouais. Là, en plus, c'est l'état d'urgence sanitaire qui va passer, tout. Là, tu vois, moi, je rigole pas avec ça. C'est juste, je suis parti faire mes courses, ouais. J'avais ma petite attestation que j'ai écrite manuscritement. On t'a contrôlé ou pas? Non, on m'a pas contrôlé, j'ai vu personne. J'ai vu personne, pourtant j'ai fait quoi? J'ai fait 10 km en voiture, aucun flic. Aucun... Parce que si t'avais croisé un flic, t'aurais baissé les yeux un peu. Vu que de base, c'est quelqu'un qui est pas très courageux, tu vois.
Non, moi, tu vois, j'aurais montré fièrement mon attestation, j'ai rien me reprocher, tu vois. Je dis, ah, tenez, monsieur l'agent, mon attestation, hop, il m'aurait laissé passer une petite bise et basta. Ok, je vois. Et tu sais que moi, je commence à devenir marteau, là, moi. Je respecte, parce qu'on va pas parler de coronavirus ou quoi, c'est même pas le sujet, tu vois, de la radio. Ouais, fuck le coronavirus. Ouais, fuck le coronavirus, on l'encule. Mais au-delà de ça. Ouais. Non, moi, gros, ça fait depuis jeudi dernier, je sors plus, ça, je commence à péter un boulon, là. Non, mais gros, mais moi, je vais devenir fou. Moi, je suis tout seul. En fait, j'ai l'impression, tu vois, là, le confinement, en fait, c'est un dimanche. On n'arrive pas à passer au lundi, tu vois. Genre, c'est bloqué. C'est un jour. Ouais, en fait, on est un dimanche et on reste bloqué. Je sais pas si vous avez vu Doctor Strange. Ouais. C'est une répétition de la fin, tu vois, comme à la fin. Ça se répète avec la scène avec Dormammu, tu vois, c'est tout le temps pareil, c'est tout le temps comme ça. Okay. Moi, je commence à devenir fou, ça fait qu'une semaine. Et là, je vois, il parle de 3, 4 semaines, 5 semaines. Je fais, voilà. Je fais, oh là là, qu'est-ce qui se passe là, tu vois, moi je vais devenir fou. Okay, c'est pour ça là, je me dis, ouais, les chômeurs et les déscolarisés, mais comment ils font? Ouais, non, mais je me rappelle de la fin de Doctor Strange, ouais, vraiment, t'as l'impression que ça répète, ça répète, ça répète, ça répète et tout. Bah ouais, mais là c'est là où je me dis, tu vois. Ouais, j'ai jamais vu Doctor Strange, j'en sais rien de ce que tu me racontes là. Bon, on va commencer. On va commencer, c'est sûr, des gens ils ont vu. J'en suis sûr. Du coup, on va commencer, les gars. Je vais vous link le Discord. En fait, je vais vous expliquer. On a décidé de choses sombres ici. Donc, il y a une présélection. On a déjà deux histoires, d'accord. Vous pouvez venir nous raconter n'importe quoi. Pas que du sexe. Vous venez nous raconter des bagarres, des histoires d'argent, de parents, de ce que vous voulez, d'une période de votre vie, n'importe quoi. Vous allez passer vite fait en présélec. Ensuite, vous venez dans notre channel. Genre, nous, on va vous move. Vous avez quelques mots pour nous convaincre, l'envie qu'on ait envie d'écouter votre histoire, d'accord. Donc si ça pue la merde, on vous dit de partir, quoi. Si ça pue la merde, vous partez, malheureusement, mais merci de votre participation. Si c'est bien, on vous écoute. Donc je vais vous link tout de suite. Merci d'ailleurs de tous les subs. Je vous link dans le chat le Discord pour là le lien Discord que je mets, c'est pour venir raconter des trucs. On va essayer. Bon, de toute façon, c'est ghetto, c'est street. On va essayer comme ça, d'accord. Il y a un autre channel qu'on a appelé le channel réaction. Donc je vais balancer un deuxième lien, c'est pour ceux qui veulent venir réagir, voilà. Donc en fait, on va avoir des histoires, nous on va réagir, on va parler, on va rigoler, on va dire des trucs. Si vous êtes dans le channel réaction, on vous move à la fin de l'histoire et on entend ce que vous avez à dire. Voilà, comme ça, hop. Là, le deuxième lien, c'est le channel réaction. Donc vous allez sur le channel réaction, juste vous vous mutez et si à un moment dans l'histoire, on parle, enfin, vers la fin... Ça peut mettre quoi, vous voulez, et le... Ok, ça, bon bah parfait, voilà, c'est lourd. Piccolo, je vais te mettre les droits de modérateur sur mon chat. C'est le meilleur modérateur de... Ouais, et il y en a que le chat, que le stream, marche pas, je vois que vous dites que c'est écran noir. Bah, c'est faux, c'est un mytho, c'est des mythos. Cher, hein, vraiment, allez vous faire enculer, hein, vraiment, on s'en bat les couilles. Ouais, grand-mère, c'est ça. Moi, j'ai sous mes yeux le live. Et donc, je crois que du coup, on a déjà deux histoires pour démarrer, c'est ça. Ok, on va... Allô. Oui, t'es là ? Ouais, c'est bon. Ok, bon. Ouais. Bon, voilà, attends, on me dit dans l'oreillette, ok. Dans l'oreillette, j'ai quelque chose qui va vous intéresser, les gars. Dans l'oreillette, j'ai quelque chose qui va fortement vous intéresser sur le chat, là. Donc, dans un instant, vous allez pouvoir regarder quelque chose de sombre. Quelque chose de quelque chose de très très sombre. Mon Insta, quand j'étais un genou. Donc, les gars, je vous ai promis quelque chose de sombre. Je pense que je n'ai pas menti en vous montrant ça. Cette énergumène aux cheveux soyeux et plaqués contre le crâne. J'avais 17 ans, là. et à l'iPhone 3GS bien... Ah, bien, bien paré, bien, bien propre. Putain, ça va tirer les types sur Skyblog à l'époque, il y a longtemps. Skyblog, gros, c'était à l'époque de Skyblog. C'était à l'époque swag et tout, là. Bien sûr. T'avais quel âge, là? Je l'ai commis. T'avais quel âge, gros? 17 ans. Putain, c'était il y a 13 ans, ça, les gars, vous rendez compte? Ouais, c'était en 2007, ans. Frère. Ah ouais, ouais. Toi t'étais... Hey, c'était époque tectonique, ça, t'étais... Non, je détestais la tectonique, juste j'avais un petit défrisage, je le ferais. T'étais un petit danseur de Logobi, toi. Non, non, juste je gérais des portugaises, des Vitry-sur-Seine, d'Ivry. Tu faisais des barbecues aussi. Ah ouais, c'est après, ça c'est le drame qui arrivait après. Les portugaises qui d'ailleurs sont le peuple qui présente les plus belles femmes d'Europe, voilà, comme ça au moins c'est dit, c'est posé, il n'y a personne qui peut me dire... Je ne vais pas te contredire. Ok, très bien, bon voilà, maintenant qu'on a dit on va pouvoir move une première personne. Vous voulez commencer avec qui sur les trois premiers là? Vas-y, je vous laisse le choix, c'est quoi, c'est Joël? Non, Yas, on inaugure, vas-y.
J'ai fait une théorie russe. Voilà, j'avais été sûr que t'allais dire ça. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, deux secondes, change mes écouteurs. Oh là 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 là, déjà la torture, gros. Première histoire, il me met déjà à bout de nerfs, ça va? Allô? Ouais, je vois quoi. Allô? Il faut enlever... Tu peux enlever l'écho, s'il te plaît, on s'entend. Ah ouais, merde. C'est mieux? Alors, a priori, oui, c'est mieux. Ça va? Bah, très bien, et toi, Zach? Ouais, tranquille, t'es le premier de la Et soirée, t'es nous, content? t'en as rien à foutre, Bah ouais, mon Tom a la pression. Nous, on pue? Tu demandes pas de comment on va? Joël, tu vas bien? Ouais, ça va. Ah, j'aime bien ton petit accent. Et moi, je pue? Non, Yas, toi, je t'ai envoyé 500 DM, t'as répondu une fois. Non, allez! Oui. Petite parenthèse, non, moi, je comprends Yas, hé. Toute la journée, on reçoit des DM. Des... Oui, allez, c'est bon. Le pididi de clignant en cours, là, on veut plus t'entendre. Non, Joël, il a raison. Moi, je suis juste une ordure, c'est tout. Non, voilà, femme de réponse, je réponds à moi, t'es fou. Non, moi, je suis juste une ordure, c'est tout. Très c'est bien. Différent. On aime bien les ordures, ça va. D'accord, super. Bah écoute, en tant que ordure, t'as un pseudo Discord qui a attiré l'attention. Donc ouais, je pense que je vais pas te dire mon pseudo de base y a parce pas de que problème. Ça va spoil, mais ceux qui m'ont dû m'appeler comme ça pour teaser. Ok, y a pas de souci. Bah écoute, ce qu'on va faire en fait, c'est que t'as quelques mots pour pouvoir nous décrire l'histoire en grand, nous donner envie de l'écouter, et puis ensuite tu peux y aller, full détail et tout. C'est à toi. Vas-y, on t'écoute. En 4 mots, c'est bon, 4 mots? Oui, 4 mots, ça suffit largement. T'inquiète, tu peux faire un mot-clé, on est Google, vas-y. Chier dessus, musée Angleterre. Oula. Attends, donc là, il y a ce première histoire qu'il choisit dans l'histoire de la radio, là, et il choisit quelqu'un qui se chie dessus. C'est pas théoriste pour rien, ils m'ont pas dit ça pour rien. Ok, bon, écoute, moi, personnellement, dans mon coin, j'ai envie d'écouter, donc... Ouais. Vas-y. Yass et Joël, vous validez? Ouais, vas-y, franchement, je suis curieux. Ok. Comment le chi est arrivé en fait? Okay. Moi j'aime bien ça. Quoi. Le chat valide également, donc ça me va. Moi, vas-y, ça me passionne, moi. Vas-y, on t'écoute, frérot. Vas-y, cousin, on t'écoute. Bon, alors c'était ouais 2013-2014, j'étais en quatrième, donc j'avais 13-14 ans. D'accord. Petit voyage scolaire, tranquille, on part en Angleterre. Donc on fait le bus toute la nuit, on prend le bateau, on arrive en Angleterre, 8h du mat. Quelle bonne idée des profs d'anglais, on va faire le petit déj au McDo. Alors on va faire le petit déj. Oh, sympa les Seulement, profs. Non, attends. Seulement, on arrive au McDo et ils nous disent, avant 10h du mat, tu choisis pas ce que tu veux, tu dois prendre le menu petit-déj. Ouais, les McMuffins et tout, tous. Je m'en rappelle. Ouais. Ouais, exactement, mais sauf qu'en 2014, c'était plutôt pété, tu vois. On prend notre truc de merde, une espèce de vieux wrap aux œufs pourris et tout. Bref, on déguste tant bien que mal. Ok. Quelques heures plus tard, on décide d'aller au musée de la pionnerie des mines et pas quoi, là. D'accord. Et seulement, le musée était dans des grottes. Donc avec toute la classe, on rentre dans les grottes. Là, je commence à travailler. Donc on descend, on écoute quelques histoires. Et je fais, madame, là, trop bien, on peut pas aller aux toilettes, s'il vous plaît? Donc elle dit, ok, je pense à l'entrée du musée. Donc on fait toute la remontée jusqu'à l'entrée de la grotte. On demande et ils nous disent, non, les toilettes, c'est en bas. Donc là, déjà, ça commence à se renvoyer la balle sur la localisation des toilettes. Exactement. Là, j'ai la sueur, tu vois, elle coule. Oui. Je dis, non. On descend, arrivé à la moitié, hop, petit pé foireux, genre hop, une gorgée de coca qui se lâche dans mon fiac. Dur, vraiment, j'ai eu mauvaise. Ah ouais! Je marchais le cul serré pour pas que ça descende et que ça coule. Non mais je vois ce que tu veux dire là, quand genre, petit pé foireux là, t'es obligé de foutre le frein à main pour pas que ça. Ouais, voilà, exactement. C'est trop traître ça! Mais la trahison de ma vie! Vraiment, en plus, ma mère en ce moment elle fait à manger, elle fait des lentilles, des trucs comme ça, mec, toute la journée je me chie dessus sur Discord, c'est affreux gros, vraiment, mon DXit c'est devenu un présentoir à merde gros, c'est horrible, hein, vraiment. Gros, c'est horrible! Quand t'as la diarrhée, des trucs comme ça! Mais c'est le pire truc! Le pire, c'est si t'es pas seul! T'es pas seul, tu vas Ouais, si t'es pas seul, parce qu'en fait, tu sais, t'as envie de lâcher ta petite caisse en mode discret, en fait, tu sais pas si c'est de la merde. Exactement, tu sais pas. Mais ouais, surtout que là, il y avait toute ma classe. Le caca, il est bien coulant là, comme ça, toi, il est bien au fond du caleçon. Et vas-y, continue du coup. Ouais, donc on redescend, là, je savais. Il était fini. Ok. On passe discrètement devant la classe, on trouve les toilettes, je me mets dans les toilettes, je fais mon affaire. La prof, je sais pas si elle avait compris ou quoi, mais elle me ramène des petites lingettes. D'ailleurs, merci, je sais plus comment tu t'appelais, mais merci prof d'anglais de quatrième. Dédicace à elle. Exactement, dédicace à elle.
Du coup, je fais mon affaire et je vois mon slip, enfin mon caleçon plein de merde. Je dis, bon, ben vas-y. Je l'ai mis derrière les chiottes, j'ai mis mon jogging Adidas sans rien, je suis resté à poil sous le jogging. Oh, et sorti à la femme de ménage qui l'a retenu. Mais attends, mais les toilettes, tu peux pas mettre de l'eau en système, tu vois? Je sais pas, c'était une cabine, il y avait la prof qui m'attendait devant, je me voyais mal sortir avec mon slip plein de merde devant. Oh putain, mais tu sais que moi, hey, moi j'ai une histoire comme ça là, en Nathaniel, plus. Nathaniel, ça va? Oh putain, horrible. Mais attends, le slibard, tu l'as mis où après? Ton slibard, je l'ai calé derrière les chiottes et il est resté à tout jamais. Et donc t'es resté avec le gland qui caresse le... Exactement. Ah, horrible. Pas très confort, mais bon, au moins j'ai resté. L'odeur qui devait avoir, sérieux. Ah bon, mais personne n'a cramé, merci Dieu. Attends, mais t'as marché le reste de la journée, t'étais pas solide. Bah genre... j'étais en roue libre. Classe, personne n'a cramé, mais je pense que de cette classe, il y a personne qui le sait encore. Ah ouais, là, c'est un secret que t'avais depuis des années. Ouais, mais mes potes, ils sont là, ils le savent, ils doivent être en train de se foutre de ma gueule, mais c'était une classe de blaireaux, donc... Moi, j'ai une histoire à raconter dans ce sens, et c'est une histoire qui va vous paraître très très sombre, Yass et Joël. Vas-y. Ok, c'est simple. Et vous allez voir pourquoi elle va vous paraître très sombre. Là, c'est un peu moment confession. Vous avez vu, genre, il y a quelqu'un qui est venu nous reconnaître un truc, je vous le reconnais également. Vous vous rappelez le premier Airbnb en Corée? Ouais. Ok, ouais. Le premier Airbnb en Corée, fallait pas mettre le PQ dans le chiotte parce que ça bouchait. Ça, ah, c'est toi. Je sais. Ah, c'est toi. Ah, c'est toi, je me rappelle de cette histoire. Moi, premier soir, je fais quoi? Ouais, rappelle-toi carrément, il y a souviens-toi. Ah bon, Zizou, anecdote Allemagne. C'était carrément pour essayer de déboucher, j'avais pris le tuyau de la douche et j'avais essayé de le mettre dans les chiottes et j'avais mis dans un seau. Attends, mais c'était les chiottes toutes petites là? Ouais, non, pas les toutes petites, c'était le chiottes salle de bain. Le chiottes qui avait aussi une douche à côté. Mais si, rappelle-toi, tu sais, quand tu rentrais dans la maison, t'avais des chiottes à droite. T'avais la cuisine juste avant. Et il y avait des chiottes à droite, ouais. Ah, c'était toi! C'était moi. Ouais. Et attends, ce que vous savez pas, c'est que quand ça a bouché, j'ai retiré la chasse une deuxième fois pour que ça parte et ça a débordé, gros. Et c'est pas, il y a eu gros. Petit bout de caca et d'eau et tout partout. Attends, frère, j'ai dû prendre un seau, je suis resté quasiment 45 minutes dedans à essayer de vider le chiotte comme ça avec un seau. Avec des bouts de merde partout et tout, gros. Ah vraiment, j'avais la honte. J'avais accusé des... Attends, attends, Joël, ton micro, il a coupé. Non, moi, j'avais... Mais moi, je... t'as dit quoi? Ton micro, il a coupé. Non, moi, je pensais que c'était Greg qui avait fait ça. Ah ouais. Greg, il est petit gabarit. C'est qui va au shot et qui reste que un quart d'heure parce qu'il chie une fois tous les trois jours? C'est Zach, gros. Oh putain. En plus en Corée t'as dû lâcher des missiles prédateurs, mon frère. Ah bon, j'ai pas rigolé, gros. Attends, parce qu'il faut savoir qu'en Corée on mange ultra épicé. En gros tout ce qui est là-bas, tout ce qui est viande et tout, c'est épicé, mais c'est vraiment, mais moi, sachant que je mange vraiment beaucoup d'harissa et tout, mais c'est épicé à la mort. Ça te dégomme la gueule et je vais dire. Ah y'en a, j'ai des dingueries au shot, hein. On venait d'arriver, je m'en souviens, on sortait 12 heures d'avion, gros, j'avais laissé malaxer de la merde dans le... Côté aussi, il nous fait prendre des Western East China, frère, et après, il croit qu'on va digérer normal. Mais ça, c'est la même veine que j'avais raconté où j'avais dû chier dans mon allée un jour parce que je rentrais de soirée, j'avais trop mal au beach, je pouvais plus monter les marches d'escalier, gros. Putain, j'ai trop d'histoires liées avec le caca, ça me dégoûte, frère. Ah, c'est pas pour rien. Yass, t'as déjà eu une histoire galère comme ça ou pas? Franchement, moi, non. Moi, c'est juste, je chie dans la forêt, normal, je me suis avec une feuille, basta. Hein. Oh. Franchement, mais tout le monde l'a déjà fait ici, on est d'accord. Personne n'a jamais fait ça, frère. Attends, moi, sur l'île de... Parce que moi, tu vois, je suis un mec de la campagne, tu vois. Moi, je vis avec les sangliers et tout. Moi, quand j'avais vraiment envie de faire caca et qu'il n'y avait pas de toilette, je chiais ma petite merde et tout, je faisais un petit trou. Ah bah, les feuilles d'arbre. Je chiais dans la forêt, sur la plage. L'ambiance Koh-Lanta. Ouais, voilà, normal. Sur la plage. Il y a juste Yass qui chie. Non, mais vu que c'était l'île de Ré, j'habite sur l'île de Ré de base, donc tu chies sur la plage, sur la forêt,
Tu prends ta petite feuille, soit t'avais, je sais pas, t'as une petite feuille d'arbre ou je sais pas quoi, hop, tu t'essuies, basta, terminé. On s'étonne qu'il y ait des virus qui viennent avec des types qui font de telles actions. Non, bah, attends, on va pas commencer à parler du virus parce que sinon, hein, Bah écoute, merci de ton histoire et force à toi. Bah, y a pas de quoi. T'as l'air d'avoir raconté quelque chose qui t'a tenu au cœur. À cœur, si ça t'a un petit peu allégé. C'est un truc de ouf. Non mais c'est marrant quoi. De nous raconter ça. Bah merci pour ta averti. Moi je pense. Force à vous. Je peux passer 4-5 dédicaces quand même. Vas-y. Alors, dédicace à Itori la grosse jove, Charlie la moulaga et la Polax, on se sait. Et bah voilà, et bah dédicace à vous et je te et dédicace à vous trois les gars, bonne soirée. Merci gros, merci passez une bonne soirée gros. Y'a pas de quoi les gars. Allez, salut. Charlie la moulaga. Putain, sale bâtard de Zach, putain. moi, ce qui me fume, c'est que j'essaie de savoir qu'elle fait ça, je me dis, mais putain, et y'a personne qui se dénonce. Ah non, mais en plus, hey, gros, moi je me suis envoyé sévère. Hein, j'y avais envoyé un rein dans le chiotte, hein, vraiment. Mais j'ai... Non, mais des fois, mon gars, quand j'allais au chiotte en Corée, mais y'avait des types, ils lâchaient des bastos, moi j'arrive à. Putain, merde. Moi, j'étais discret, j'attendais qu'on allait dans les restos. Je faisais mes affaires dans les restos, jamais à domicile. C'est Coteil aussi là, lui il est tout discret, il dit rien, tu penses qu'il fume pas le chiot lui sans sans déconner, je pense qu'il y a tout le monde. Ah ça tout va, on rigole. Il a dû lâcher sa bonne perlouse. Non, moi j'attendais qu'on aille au resto. Bon, et ben on va pas parler de merde pour toute la soirée, on va essayer de passer. Ah là, putain, on apprend des choses. À une autre histoire. N'hésitez pas, j'ai mis le Discord dans le truc, ouais. Il y a la présélection, si vous voulez venir le raconter, vous voyez bien l'histoire qu'on vient de choper, vous pouvez raconter n'importe quoi, donc n'hésitez pas, venez nous raconter des trucs. D'ailleurs, petite anecdote, dans un radio sexe, vous vous rappelez pas, un gars il avait chopé un plan Tinder aux US, puis il avait chié et il avait bouché son chiotte, ça avait débordé partout, il était parti comme un voleur. Ouais. Ouais, bah c'était un pote à moi, voilà, comme ça au moins. Et... Ah, ouais, c'est marrant, après la première radio, il y a eu plein d'histoires marrantes, des trucs. Bien sûr. Un jour, je vais raconter des histoires qui ont suivi ces trucs. Ça, bon, on move qui là maintenant, Joël, c'est à ton tour de décider. Attends, déjà. Je vais voir. Oula, putain, mais. Y a une histoire, elle fait peur là. Y a beaucoup de sexe là qui nous. Non, y a une, franchement, elle fait peur. Vas-y, dis-le. Attendez, on va jouer avec le chat. Il y a une histoire qui s'appelle « Deux filles, une sauce », il y a « Clito de Satan » et il y a « J'ai voulu baiser ma cousine ». Alors, dites-moi le texte que vous voulez écouter. Là, elle est... Ouais. Elle est chaude. Attends, il y a Satan, cousine... Cousine, allez hop, cousine. J'ai baisé. Cousine, vous voulez écouter de la cousine? Ah, c'est cool. Cousine. Allez, mais tu sais que la cousine, en plus, il vient d'arriver de présélection, là. Ah ouais, mais le chat, vous êtes... C'est tout chaud là. Ah, c'est tout chaud. Ah, moi je suis fou en cuisine. Ah, allô. Salut. Bien le bonsoir, salut, vous allez bien? Monte un peu ton son si possible, on t'entend pas très bien. Attends, je vais augmenter le son aussi. Faites clic droit et vous augmentez. Parle un petit peu plus fort qu'on puisse bien entendre. Vas-y, parle vite fait. Ouais, là tu m'entendais bien. Ouais, ça va, c'est cool. Ouais, on t'entend, ouais. Nickel. Bah, tu vas bien, tranquille? Bah. Ouais, enfin, ouais. On est là. Oh là, t'as l'air. Ouais, on est là. Gros, ne stresse pas, hein, c'est radio tranquille, pépère, faut non, pas. Non, mais vous allez comprendre. Ok, bon, bah écoute, t'as l'air d'avoir envie de te confier tout de suite là, donc ouais. Je vais te demander. Allez, avant tout, quelques mots pour nous vendre ton histoire, s'il te plaît. Ouais, vas-y, s'il te plaît. Bah, juste, t'as fait 2 mois charbonner une meuf. Et j'ai appris des trucs sur elle qu'il fallait pas, j'aurais pas dû apprendre quoi. Ok, et donc là tu. Ouais, vas-y, je suis curieux, on t'écoute. Moi j'ai envie d'en savoir plus. Bon, déjà en gros, j'habite. En fait, je suis sur Nantes moi. Et aucun rapport. Ouais, parce que j'allais dire sur Nantes ça. Non, mais parce que du coup, y a pas de cliché consanguin quoi. Ok, d'accord, bon vas-y, dis-nous. Et donc, je suis parti en stage sur Barcelone à partir de début janvier. Et j'étais avec une go. Donc, moi, toute l'année se passait bien avant. Et ma go m'a quitté dès que je suis arrivé sur Barcelone. Ouais. Donc, ouais, nickel. Donc, moi, je me suis dit, bon, bah, rien à foutre, je vais aller charbonner des meufs sur Insta. Une meuf que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu en soirée. Tout se passait bien. Vraiment, les soirées avec elle étaient plutôt cool. Ouais. Et, vous entendiez bien. Plutôt joli. Voilà, exactement. Bon délire. Donc, je lui parle, franchement tout se passe bien. D'accord. Et au moment où je rentre sur Nantes, donc il y a deux semaines, ouais. Elle m'envoie un message, elle me dit bon vas-y, ça me fait chier de parler sur Insta et elle me passe son snap. Ah oui, c'est la femme entreprenante.
Ah, ça, ouais, exactement. Et femme, en plus, ça, surtout la façon. Entreprenante, moi, ça me plaît. Petit message. Merci. Ouais. Non, mais surtout la façon dont elle l'a faite, c'était vraiment très. Ouais, il y avait un message, quoi. Oui, enfin, oui, clairement, clairement, quand elles font ça, c'est qu'il y a un message. Mais c'est bien, tu vois, c'est femme, comme on l'a dit, entreprenante, un peu bélier, tu vois. C'est... Parce que ouais. Elles, les meufs, elles, leur problème, je sais même pas s'il y en a qui nous écoutent, c'est qu'elles, elles t'envoient des signaux. Elles, dans leur tête, tu vois, elles croient qu'elles t'envoient des signaux à 10 km que t'es censé capter. Parce bah que, ouais, tu vois, genre, elles vont te demander, j'en sais rien, leur couleur de vernis, une connerie comme ça. Et elles, elles se disent, tiens, je lui laisse le choix, il va comprendre que je veux sortir avec... Enfin, tu vois, et elles comprennent c'est pas qu'au bout d'un moment, faut être un peu plus... Bref, vas-y, elle l'a fait, dis-nous le reste. Exactement, donc elle était très claire. Et du coup, bah, moi, j'étais plutôt content... Et au moment où je l'ajoute, j'ai changé son nom, on va dire, c'était Marine, point, quelque chose, et son nom de famille en gros derrière. D'accord. Et là, je découvre son nom de famille. Ok. Et ça me dit quelque chose. Il faut savoir que moi, j'habite vraiment dans la campagne. Enfin, j'habite vraiment genre à 20 minutes de Nantes, mais ça reste bien la campagne. Et surtout, ça fait des générations qu'il y a ma famille dans cette putain de ville. Okay, des donc, générations. Donc, c'est-à-dire que c'est votre terre-terre, quoi. Vous êtes vraiment connu. Ah mais vraiment, vraiment, genre j'ai vraiment au moins 100-150 personnes qui sont de ma famille dans la ville, ah ouais. Pour te dire, sur une ville de 8000 habitants. Ah ouais, c'est le village de Konoha, là. Ah ouais, c'est tout le monde connaît, là, c'est la merde. Ah mais genre, c'est la sauce. Ils ont leur propre quartier, comme les Sasuke, genre, comme les Uchiwa, gros. Et donc vraiment. Du coup, j'appelle mon grand-père et je lui dis, ouais, mais son famille, il te dit pas quelque chose. Ouais. Et donc, la vérité est tombée, c'est ma cousine. Ouf. Au combien de degrés? Bah ça c'est ça la question. Au départ il m'a dit genre 4-5 degrés. C'est trop cool parce qu'en c'est bon. Non mais là je me suis dit c'est la sauce cool. Mais attends. Non finalement, ça, finalement ça, attends laisse-le parler, laisse-le parler avant qu'on dise Ayas. Non non. Non non. Vas-y, attends, laisse-le parler avant qu'on revienne sur les propos de Yass encore, là. Allez, dis-nous. Non, mais Yass, ça va. Oh, putain. C'est sur 9-10 générations, au moins. 9-10 générations pas, exactement. Ouah, frère. Ouais, c'est loin. C'est attends, loin. Juste petit rappel, parce que je suis peut-être con, mais je pense que ça fonctionne comment déjà, ce système de génération? À quel moment t'es 4ème, à quel moment t'es 13ème? Ouais, c'est ça, en fait. Ça. En gros, genre première génération, c'est mon père. Deuxième génération, c'est mon grand-père. Et ça va comme ça jusqu'à 10 personnes, quoi. Ah ouais, mais attends, mais dixième génération, ça remonte à Pépin le Bref, frère. Dixième génération. Dixième génération, c'est gros, non, c'était Vercingétorix, ça, gros. C'est pour ça que je te dis quatrième génération, ça va. Ils vont recevoir un snap, par contre. Elle m'envoie des snaps. J'espère qu'elle va pas le live. Non, pas de soucis. T'inquiète, tranquille, gros. Continue. Ouvre. Non, parce que, du coup, je sais pas si je dois encore la chavonner ou me dire, ouais, c'est ta cousine quand même. Ah ouais, non, mais c'est... Attends, moi, ma question, c'est, est-ce que, dans ta famille, ils la connaissent ou pas? Non, du tout. Moi, non, vraiment, moi, j'ai le truc qui va déterminer ta réponse, je la sais. Je sais le truc, le facteur X, ok? Vas-y, gros. Ok, c'est simple. Quand il y a réunion de famille, elle est invitée ou pas? Non. Bah voilà, tu peux y aller, voilà. Moi, c'est le facteur X, tu risques pas de la recroiser avec ta famille, elle est pas dans les plans. Il y a un truc qui peut être embêtant, c'est que on a des cousins en commun et enfin bah logiquement oui dans ma ville. ils savent que non mais c'est des cousins assez proches, enfin je sais que c'est mes cousins et ils savent aussi que cette fille là c'est leur cousine, donc ils vont se poser des questions si on se met ensemble. Non ouais, mais après elle est open encore ou pas? Bah justement c'est un problème, là était un peu moins chaude et puis et puis j'ai des potes qui connaissent l'histoire, qui ont pris mon téléphone une soirée, qui sont amusés à lui faire des fans. Oh les donc, bâtards, en fait, mais c'est pas des potes ça. C'est pas des potes ça, c'est des bâtards. J'étais complètement mort, donc j'étais pas prêt à ça. Yass, t'en penses quoi toi? Bon, ça va faire. Bah qui fonce dedans? Pourquoi il se pose la question, garçon? Pour toi, l'écart de génération, il est trop gros? Toi, tu t'en bats les couilles, t'as dit 4 générations, ça va? L'écart de génération, on me fait chier avec ça, bordel. Mais allez, fonce dans le cul de ta cousine, garçon. Non. Toi, Joël, t'en penses quoi? Moi, si j'apprends que c'est ma cousine, c'est next. Au revoir.
C'est trop. Ouais, c'est un délire, ouais, t'es malade. Après, là, c'est cousine non, de loin. Comme... Il y a un lien, et en plus de ça, écoutez bien, il a dit qu'il y a certains cousins qui la connaissent. Ouais, mais ça veut dire que peut-être tôt ou tard tu seras amené à la croiser, à être verré. Non, c'est mort. Mais c'est un Tinder. Cousine, c'est vraiment. Mais attends, mais tu connais ses parents? Mais non, mais vraiment, je connais pas du tout sa famille. Mais gros, monsieur, elle est même pas de ta famille, qu'est-ce qu'on a à foutre? C'est la postière du coin, c'est juste que toute ta famille... Mais parce que mon gosse, je veux pas qu'il ait des problèmes. Mais attends, mais... Pas forcément, il aura pas forcément de problème, gros. Après, non, attends, il est en train de conseiller des trucs pas bien, là. Au pire, tu fais pas de gosse. Comme ça, c'est réglé. Ok, bon, bah super. Bah écoute... C'est juste, ça fout un blanc, quoi, c'est... Quand on parle du coup, c'est bizarre parce que d'un côté je lui dis ouais, ça dirait on sort. je sais pas trop comment le dire. Ouais, crois. C'est chelou. Ouais. Bah attends, mais t'as quel âge? J'ai 19 ans. Bah franchement, ça va se mettre dans du bourbier comme ça. Gros, après, y en a un dans le chat, il a dit 10e degré, ça veut dire que leur arrière grands-parents étaient frères. Il y a 10 générations. Franchement, moi je suis pas là pour t'influencer, gros. Mais arrière, gros. Bon, allez, je suis désolé. Elle est fraîche ou pas? C'est combien sur 10? Super fraîche. Allez, vas-y, fonce. J'ai des snaps d'elle. Mais elle m'envoie des snaps, mais des putains de trucs. Mais attends, mais sur 10, tu lui mets combien? Bah, non, 8. 8,5. Ah voilà. Ah ouais, quand même. Mais vas-y, hein. Si vous faites un gosse, ça peut poser peut-être un petit peu problème. À la sortie, le gosse, peut-être qu'il va faire... Mais sinon... Il a dit dans le chat, 10 générations, c'est 250 ans. Ouais, tu vois, qu'est-ce que t'en as. Frère, il y avait même pas internet il y a 250 ans. Il y avait même pas l'électricité, frère. Non, bon, j'aime ça. Il est chaud, il a compté. Attends. En vrai, moi, je me pose une autre question. Comment dire? Tu vois, genre... Je vais essayer de le formuler correctement, mais tu vois, dans toutes les civilisations, il y a des noms de famille, tu vois, qui ressortent. Genre, les Dupont, les Diakité, j'en sais rien, tu vois, les Keïta, je sais pas, chez les Rebeux, tu vois, des noms qui ressortent comme ça. Est-ce que, de près ou de loin, ils peuvent être, cousins ou pas? Par exemple, je dis une connerie, deux Renois, ils se croisent, les deux ils sont comme nos familles, Koulibaly. Est-ce que ça peut. Non, c'est pas ça. Pareil, tu vois, si deux gens qui se rencontrent, ils s'appellent les deux, ils s'appellent Dupont, tu vois. Non, en Afrique, les Koulibaly, il y en a tellement trop. À des extrémités, par exemple, on est en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est. Wesh, la probabilité que ça. Ok. Non, mais je posais des questions bêtes, c'était. Non, mais pour de vrai, du coup, dans ma ville, et même plutôt dans la région autour de Nantes, c'est un nom de famille, le mien, du côté de ma mère, du coup, c'est un nom de famille qui revient souvent, et son nom de famille qui est différent, c'est aussi un nom qui revient souvent. Et enfin, les gens le savent que nos deux noms, on est cousins, quoi. Comment? Non, dis pas ton nom de famille. Non, j'ai pas à le dire, t'inquiète pas. Franchement, gros, je vais te dire un truc. Votre connexion, elle remonte à 10 générations. C'était Royaume de France où ils se mettaient encore du parfum dans le trou de balle pour pas choper des maladies, gros. Et ils faisaient Le foot, ça existait même pas. Non, gros, franchement, ça existait même pas. Pour moi, c'est il y a trop longtemps. Moi, je propose pour un peu statuer, on prend quelqu'un dans le channel réaction, on voit ce qu'il a à dire. Vas-y. Ça vous dit c'est le premier test de on prend quelqu'un dans le channel de réaction. Vas-y. Allez, on a besoin d'un mec réaction. Allez. Attends, il y a Ismaïl avec moi, je le remonte. Attends. Réaction. Bonsoir Ismaïl, ça va? Il faut que tu démutes juste le micro et t'es avec nous. Ouais, vas-y Ismaïl, allez, on va. Il est parti. Il s'est barré le bâtard. J'ai peur. Il est la frousse. Il y en a, il s'appelle Covid-94. Viens, on va l'inviter. Attends. Imagine. Allô, oui, bonsoir Covid-94, ça va? Vous m'entendez? Tu peux couper, on t'entend en fond. Il y a de l'écho, ouais, Covid. Allô? Ouais, tu peux couper en fond, s'il te plaît? Ouais. Ouais, ça va? Bien quoi, Covid? Ça va et toi? Ouais, super. Bah écoute, t'as entendu l'histoire qui vient de se passer? Ouais, j'ai entendu. Ok, et toi, t'aurais fait quoi à sa place? T'aurais tarot la cousine? En plus, ou j'ai déjà été dans cette situation, moi. Vas-y, raconte-nous. Il faut parler là maintenant. Allez, Covid.
Moi j'avais que deux générations. Ok. Et je m'en battais les couilles. C'est ta cousine du coup. Ah, tu t'en battais les couilles deux générations? Ah ouais. C'était son arrière-grand-mère, c'était la cousine de mon arrière-grand-père. Et toi, on t'a montré le chemin pavé, t'as foncé dedans. Moi, j'étais open, je me suis cassé les couilles. Attends, toi, t'as l'air d'en avoir rien à foutre, c'était un truc de fou. Ah ouais, les gars, gros, il a relevé les manches, il a mis le bleu de travail, il est allé sans aucun souci. Attends, déjà, quand tu t'appelles Covid 94, tu sais déjà qu'il t'en a rien à foutre. Non, attends, mais moi, Covid, moi... Attends, je suis en ouf, j'étais en train de manger des frites, excuse-moi. Covid, j'ai une question, et tes parents, ils l'ont su, les gens de ta famille l'ont su ou pas? Ouais, ils le savaient. Et bah... Et comment, ils te marquent, réflexion, rien? Aucune remarque, rien du tout. Pour eux, c'était pas choquant. Genre. Et ben voilà. Et ben écoute, j'espère, ouais. J'espère que ça t'a orienté. Mais a priori, on est sur un. Ça c'est mon gars Covid du 94 et 12. On n'a pas la même famille. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que vous avez pas la même famille, mais au moins t'as un témoignage annexe d'un viewer, tu vois. Ok. Ouais, mais attends, mais on est. On n'est pas les cités de France là. C'est quoi ça? 9-4, ça fait plaisir, tu vois. En tout cas, ça Covid. Tranquille. Bah écoute, j'espère qu'on a pu t'aiguiller pour ton histoire, frérot. Bah en vrai ouais, enfin tu vois j'hésitais mais en fait j'ai vraiment envie de la fourrer, mais le truc c'est que c'est elle qu'il faut que je convainque quoi. Non, ça c'est dans un deuxième temps et on va pas non plus te donner des conseils de drague, on va te dire bonne chance, mais là où je veux en venir c'est, j'espère qu'on a un peu dédramatisé la chose, 10 générations c'était loin, t'as ici notre bon ami Covid-94, Ivry, les pyramides, tout ça, qui t'a aussi raconté un peu sa propre expérience, j'espère que ça ira pour la suite. Mais tu sais que c'est un fantasme de plein de personnes en plus, hein. Attends, on va en parler ensuite. Bah, vous voulez passer des dédicaces? Plein de l'ensoir. Vous voulez passer des dédicaces? Oh, bah super, vous voulez passer des dédicaces, les frérots, ou pas? Ouais, bah, dédicace à Nathan, dédicace à Tom. Okay. Et dédicace à Lucas qui m'a niqué mon plan avec ma cousine, du coup. Attends, Lucas, va te faire enculer, hein, en fait, ce que t'as fait, c'est pas cool. Voilà, c'est ça qui le dit. Covid, t'as des dédicaces ou pas? Bah, dédicace à tous les mecs qui tapent leur cousine et puis c'est tout. Eh bah voilà, et bah écoutez, passez une bonne soirée les frérots. Merci moi. Génial. Eh bah, oh mais attends, ce truc de réaction, c'est super lourd. Eh oui gros, la masterclass. Oh c'est super lourd. Eh oui, la masterclass les gars. Attends mais c'est super lourd, mais tu sais que je m'y attendais pas, parce que, les gars, juste dans le chat, c'est pas prévu, genre le gars, on a pas prévu, tiens, un autre gars qui a le truc cousine. Eh mais ici, c'est tout fait à l'arrache, y'a même pas de... La radio, elle a même pas de nom. C'était hasard total, hein. Radio point d'interrogation. Ah non, radio point d'interrogation. Dans le chat, dites vos suggestions de nom pour la radio. Ouais, faudrait qu'on voit un nom qui est sympa, tu vois. Mais ça, on verra plus tard. Mais ouais, donc du coup, tu disais, Yas, ça c'est un fantasme de plein de gars. Mais à part, bah ouais, moi c'est pas la première fois qu'un mec me dise, ouais, enfin, baiser ma cousine, quoi. Mais après moi je pense aussi, les sites porno, ils ont une sale influence sur ça. Ouais. Tu vas sur, hey, get me, get for you. Non, ouais, rien que, attends, les trucs de stepdad, stepmother. Bien sûr, ouais. Stepdad, stepmother, comment ça s'appelle déjà, belle-sœur en anglais? À chaque fois t'as des vidéos genre, t'as une cousine, je sais pas, elle est en train de faire un gâteau, et elle se baisse un peu, t'as le frère qui arrive, et... Attends, Joël, les Pornhub, ils ont pas passé leur offre en premium pour que tu continues à avoir des meufs qui cambrent en faisant un gâteau, gros. On est monté en gamme ici. On est passé dans le porno le porno d'auteur, celui de belle qualité avec des images en 4K à 60 FPS. Zach, tu dis un vrai truc. Moi, voilà, vu ma mère, je me branle pas. Je suis allé sur Pornhub quand il y a l'offre, j'ai commencé à taper, j'ai découvert des trucs noirs. Tu sais qu'il y a la VR. Il y a la VR, en plus incroyable. Genre tu regardes à droite et le meuf elle se fait soulever, tu regardes à gauche et le meuf elle se fait soulever, ça fait mal à la tête. Je sais pas, après je te laisse. C'est pas de moi, mais apparemment la VR ça fait mal à la tête. C'est un truc de fou. Nous à l'époque quand j'étais jeune, on se branlait sur les... T'sais, comme j'avais dit, les pages après le... Les catalogues La Redoute. Ah, le catalogue La Redoute, les meufs qui sont en pull, là. Après, il y avait des meufs en soutif, on se mettait bien dessus. Maintenant, t'as de la VR et tout. Oh là. Mais attends, mais tu sais que moi, quand j'étais petit, c'était sombre, hein. C'était des clips TV et tout, gros. N'importe quoi, rien à foutre. Moi aussi, j'ai vu cette époque. Voilà, attends, mais moi, si t'avais sorti Nicki Minaj Anaconda quand j'avais 13 ans, gros, mais je me serais branlé 22 fois par jour. Oh là, on l'a surpris.
Mais quand je regardais le clip avec son gros cul là rempli de Big Mac, mais genre. Ah ouais, non, le clip à Anaconda, c'est quelque chose. Ah ouais, c'est un truc de fou, hein. Faut arrêter, Nicki Minaj. Mais moi, c'était le bail. Moi, à mon époque, quand j'avais quoi, 16-17 ans, on avait. J'avais un site internet, ça s'appelait Download PSP Porn. Et en fait, je stockais tous mes films de cul dans ma memory stick. J'en avais deux, j'avais une avec des jeux, et j'en avais des trucs de cul, c'était trop le feu. Attends, mais download PSP Porn, la PSP, les gars! Non, mais gros, t'es là, tu fais ta petite partie de PES, après, ta mère, elle va loin, tu mets tes écouteurs, allez hop, t'as... Et allez hop, c'est fini! On a vécu, gros, hein! Mais moi, franchement, avant, mon fantasme, il y a un mec, parce qu'il a dit ça dans le chat, il a dit le nom Nabila, mais c'est pas du tout Nabila, moi, c'était Ayem Nour. Moi, j'ai trouvé trop bonne, cette meuf! Bah, ah ouais, vraiment? Toujours aussi belle. Hein. Non, mais parce que maintenant, elle est devenue maman, je sais pas, elle a perdu de son aura. Mais non, avant, quoi, elle était aussi belle, story, mais ça avait l'air d'être une chienne de guerre, mais elle m'excitait trop. Et moi, à chaque fois, quand je la voyais, mais j'avais le braquemar en feu. Moi, j'en pouvais plus, il y avait mes sœurs à côté, c'était trop gênant. Du coup, moi, à chaque fois, je regardais plus Secret Story, c'est fini. Moi, je regardais les replays tout seul. Moi, à l'époque, je regardais MCM et toutes ces genres de conneries. Et je me rappelle une fois, gros. Et une fois, gros, ils avaient passé un truc, et je m'en. Mais vraiment, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. Gros, vraiment, vous allez taper et vous allez le trouver aussi sur internet. C'était Nabila Carwash, frère. Il faisait faire des carwash aux meufs des téléréalités, gros. Et celui. Vraiment, c'est Nabila, il m'avait marqué à vie. Nabila, moi je la trouve vilaine sans déconner. Maintenant, franchement, elle est fraîche. Moi, avant, elle était dégueulasse. Moi, j'étais jeune. Quand je l'ai vue, j'ai fait. Mais j'ai découvert la vie. Gros, à ce moment-là, j'étais Newton. J'ai découvert la théorie de la relativité, frère. J'ai fait, ok, ça là, c'est comment on vit en tant qu'homme. Et ça m'a choqué, frère. Et encore à ce jour-là, je m'en rappelle. Moi, je me dis, tu vois, genre, on regarde des vidéos de cul et tout. Tu vois, on regarde toujours des vidéos de cul. Et je me dis, tu vois, il y a une vidéo de cul. Tu vois, personne ose se le dire, mais c'est sûr, tout le monde l'a maté. En mode, c'est un peu, tu sais, la vidéo Diablo X9 quand il a pleuré parce qu'il a perdu sa copine. Ouais, une classique. Moi, j'ai trois vidéos. Non, j'en ai deux, trois que je soupçonne. T'as vu la vidéo de la meuf qui. Deux meufs, il y a deux meufs qui se mettent dans un espèce de hall. Oh, doucement, toi. Attends, Joël, il peut pas ne pas ramener un côté street, tu vois. On parle de trucs qu'on a connus, Ayem Nour et tout. Ouais, vous connaissez la meuf là qui a su ces deux gars dans un hall. Non, parce que attends, tu vois des. Tu vois, une vidéo genre classique sur YouTube, tu vois, il y a quoi vraiment. Genre qui nous a marqué. Il y a quoi comme vraie vidéo qui nous a marqué, nous, sur YouTube. Tout le monde a vu, c'est sûr et certain. Obligé le chat, vous avez vu Yasmine passe son permis. Comment c'est quoi ça, Yasmine? C'est quoi cette merde? Elle s'appelle Yasmine. Par exemple, ouais, exactement. La et vidéo voilà, de ce... voilà. Non, je parle pas de ça. Je parle de. Tu vois, de ce Kairi qui. Le compte Twitter, là, tu vois, la vidéo de Twitter. Tu vois, tout le monde l'a vu. Ben, j'en suis sûr, il y a une vidéo porno qui est équivalente à ça. Tu vois, tout le monde a vu. Moi, je l'ai, ta vidéo. Je l'ai. Il y en a deux. Il y a la sextape de Kim Kardashian et il y a Two Girls One Cup. Two Girls One Cup, on l'a tous vu. Ouais, Two Girls One Cup, on l'a tous vu. Moi, je l'ai vu. Il y a aussi celle avec le cheval, celle où le mec se met un pot de confiture dans le cul. One Man One Jar. Two Girls One Cup, c'était énervé. Moi, tu sais que. Non, c'était énervé. Je vais être honnête avec toi. Kim Kardashian, c'était énervé. Pardon. Moi, Two Girls One Cup, la première fois que je l'ai regardé, j'ai vomi, gros. Vraiment, ça m'a dégoûté. J'ai vraiment gerbé, gros. J'ai trouvé ça fascinant. Hein. Moi, je me suis dit, sans caca, ça peut être sympa. Non, mais en fait, c'est que je me dis, franchement, elles jouent. C'est bizarre, mais elles ont lâché des bons caca. Hein. Non, mais c'était pas du vrai. C'était sûr, elles étaient préparées. Tu déconnes, c'était. Attends, comment ça, c'était pas du vrai? Ça a été dit après, c'était pas du vrai, de la vraie merde. Mais tu déconnes. Non, mais déjà, écoutez, on va arrêter de parler de ça parce qu'il y a mon dîner, il va passer là. Vraiment, ça me dégoûte, gros. Bah, attends, mais tu t'as brisé un mythe là. Non, mais c'était pas de la vraie merde, hein, vraiment. T'as un mytho. Ah ouais, je suis dégoûté. Ça a été prouvé après que c'était pas du vrai caca. Hein. Mais t'es sûr, ils ont pas mangé un laxatif, un truc. Non, c'est vrai, certes. Mais frère, bah en même temps. Parce qu'elle a lâché des perlouses. Non, parce que là, c'est pas pour les enfants. Hein. Et surtout, frère, t'as vu comment c'était liquide. Gros, t'as l'impression que c'est la gelato, là, tu sais, dans les glaces qui tournent, là, qui te font sur des cornes. C'est les glaces à l'italienne. Ouais, bah ouais, gros, c'était pas. Ah, sinon, il y a celle de Paris Hilton. One Night in Paris, c'est classique. C'était mal filmé, ouais. C'était mal filmé, c'était nul. Mais même celle de Kim K, en vrai, elle est nulle, hein.
Bah oui, mais sauf qu'à l'époque, nous, on était des charmes. Mais après, tu vois, c'était la première. Nous, on avait pas de rêve, tu vois, on avait pas de rêve. Nous, moi, j'attendais la fin de minuit. Après MCM, ça passait des trucs. Sur MCM, après minuit, ça passait des trucs. C'était... Il y avait NT1 aussi. NT1. Comment ça s'appelait, ouais. NT1, Énergie 12 de temps en temps. Mais sauf Emmanuel, que... je connais. Oh là là, Emmanuel, frère, c'était... c'était... C'est qui cette gourgandine, là? Tu connais pas Emmanuel? Non, Emmanuel, c'est l'emblème d'une génération, Emmanuel. Exactement, attends. C'est... La Michel Platini de la pornographie, wesh. Attends, je vais taper Emmanuel, c'était sur quelle chaîne? M6, ça passe après Culture Pub. Ah non, vraiment, Emmanuel, c'était... La meuf aux cheveux bouclés, là. Ah, Emmanuel, non, c'est pas ça. Emmanuel, c'était sombre. Ah frère, moi je voyais Emmanuel, c'était trop bien. Ah ouais, oh, putain, de temps en temps, il y avait aussi Paris Première. Toutes les chaînes. Ah oui, oui. Je pense. Ouais, Paris, je connais pas. Paris Première. Paris Première. Oh là là, c'est vrai que c'est sombre de connaître ça. Écoute, il y avait NT1, il y avait Paris Première, il y avait Énergie 12 qui en passait aussi un peu. Il y avait AB1. AB1, ouais. Frère. AB1. Après le catch. Ah oui, D17 aussi, ils t'ont dit. D17, il continue. D17, c'était sombre. D17, ça continue, hein, attention. Ah ouais, ouais, D17, c'était très très sombre. Mais ouais, non, mais moi, tu vois, là, rien, je vais avoir 25 ans là dans deux semaines. Genre, j'ai calmé, mais à l'époque, à 15 ans, j'étais masturbateur, en gros. C'était. Ah ouais. Tout ça. Moi, des fois. Mais Moi, quand mes parents allaient dormir, quand ma mère allait dormir, ça allait fermer la porte du salon, gros. Double tour. Est-ce que vous êtes déjà fait prendre? Non, jamais. Justement, oreille tendue. Gros, t'es un chilopi, jamais ils allaient m'attraper. T'es venu dans ma chambre à Lyon, Yass. Ouais. Je te jure qu'en étant dans ma chambre, j'arrivais à reconnaître quand c'était ma mère ou mon daron qui a rentré dans l'immeuble en dessous. Ouais. Je reconnais au pas claudiquant, là, comme ça. Ouais. Je le reconnais, c'était les problèmes, gros. Ah, mais avant, on était trop à l'affût, tu vois. Moi, j'avais trop peur de me faire prendre. Genre, les bruits de voiture et tout, le bruit du moteur, moi, je connaissais tout sur tout. Je savais ce qui c'était qui rentrait chez moi. Ah, on a vécu des vrais trucs avec les trucs. Ah ouais. Et oui, monsieur. Bon, Les mecs, ils sont putains, il y en a partout, ils sont bien. Bon, là, maintenant qu'on a dit bien des conneries, on peut passer à un autre cas? Ouais, bien sûr. Putain, c'est la chaîne, j'étais... Ok, alors, bah on va passer, on va passer sur un autre cas, prochain sur le live, Alex Lodeva, oh, non ça va, je rigole, oula, cul à l'air, toilette prof, Tinder, complicité de meurtre, waouh. Oh, bon, celle-là, ah oui, moi j'ai celle-là, moi. Bonsoir. Ah, oh, je suis cru. Bonsoir. Ça va. Tranquille. Ouais, tranquille. On a rigolé là, mais ça va sérieux. T'as un nom sombre. Ah, moi. Ouais. Ton nom Discord est très très sombre. Moi, ça m'a ouais. Donc. Alors, c'est sûrement un mytho. Okay. L'histoire est drôle. Très impressionnante. Ok, ouais. D'accord. Bah écoute, je vais te laisser quelques mots pour nous décrire un petit peu, voir si on a envie d'écouter le reste, et puis ensuite, ce sera à toi. Vas-y, on t'écoute. Donc, j'ai eu un date Tinder. Très bien. Où il m'a raconté qu'il a fait de la prison. Qu'il avait fait de la prison. Ouais. Oui. Ouais, vas-y, hein, moi je suis chaud. Vas-y, on t'écoute, vas-y. Même moi j'y crois pas. Vas-y, tu sais quoi, je pense qu'on est tous bons, vas-y, on t'écoute. Donc, je match avec un mec sur Tinder, on discute un petit peu, puis on va aller boire un verre. Très bien. C'était sur l'île. Et donc on fait connaissance et il me dit qu'il est une ville pas très loin de Paris. Et je vais pas dire en détail parce que c'est un peu chaud l'histoire, c'est vrai même si j'en doute, c'est jamais. Okay. Donc, Lille, c'est la deuxième maison de Joël. Hein. Voilà. Non mais ça va, elle dit quelque chose. C'est une très belle ville. Vas-y, dis-nous tout. Et donc du coup je lui demande mais qu'est-ce que tu fais Lille parce que bah il y avait plus près quoi pour la fac etc, il y avait Paris etc. Il dit que il a voulu fuir un peu la région entre guillemets, donc ton micro il coupe un peu, tu peux le rapprocher s'il te plaît? Ah mince. Et donc du coup je lui demande bah qu'est-ce qui a pu se passer pour que tu fuis en fait. Okay. Et il me raconte que son meilleur ami il est, et le petit frère de son meilleur ami également. Un jour, son petit frère a des problèmes avec un autre mec et il se retrouve à l'hôpital. D'accord. Le gars, pour se venger, pour venger son petit frère et tout,
il va voir le gars qui l'a mis à l'hôpital et il s'embrouille et il lui tire une balle dans la tête. Bon. Voilà, ça commence déjà comme okay. ça. Ok. C'est, bon, voilà. C'est Radio Scarface. Hein. Ouais, ouais. Moi, j'étais avec des pop-corn là dans le bar. Je comprenais rien du tout. D'accord. Donc, bref. Donc, il paraît le corps dans le coffre et tout, comme on voit dans les séries et machin. Et puis, il appelle du coup son pote, donc le mec avec qui je suis en date. Okay. Et il lui dit qu'il l'appelle en FaceTime audio parce que c'est une habitude qu'ils ont quand ils ont un peu un problème, etc. Ouais. En enfin, bref, donc du coup il répond et puis il se pose pas vraiment de questions. Il le rejoint en pleine nuit puisque c'est déjà arrivé qu'il l'appelle quand il a un souci ou quoi. Ouais. Bref, il. Ça pue, c'est invraisemblable. Non, mais c'est incroyable, c'est vraiment invraisemblable. Et du coup, il arrive dans la voiture et puis il voit que son pote a une telle chelou, machin. Bah, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il lui explique le truc. Le gars, au début, veut partir parce que bah, MDR, c'est chaud, il y a un corps dans le coffre. Dans le coffre. Et bah, en fait, il se rend compte que là, son meilleur ami, genre, il pète un câble, quoi. Genre, s'il sort de la voiture, il est mort, quoi. Ok. Ouais. Donc, il se calme un peu, il essaie de trouver une solution. Il dit, bah, on va aller jeter le corps dans l'eau, ouais, etc. MDR, il regarde beaucoup trop de séries. Super, mon pote, hein. Et on va le dissoudre dans de l'acide, ouais. Oui, oui, bien sûr, à la Breaking Bad, bien sûr, ça va être génial. Donc, il se gare près d'un truc, près d'un fleuve ou je sais pas quoi, j'en sais rien. D'accord. Et il me raconte qu'ils ouvrent le coffre de l'intérieur et ils poussent le corps avec les pieds. Bon, bref. Genre un Tinder raconte ça. Oui, non, mais j'ai pas compris. Hein. Tu l'as dit à la fois qu'il fallait qu'il aille se faire enculer aussi. Ou pas, mais je suis surtout partie. Attends, mais le gars il pensait impressionner en racontant ça ou quoi? Ouais, mais en fait il m'a juste fait fuir. mais après, tu sais, moi je connais des mecs, hein, quand ils vont voir des meufs, ils aiment bien. S'inventer une vie de gangster pour impressionner. Ouais, ah, mais ça, je sais pas, peut-être qu'il supportait mal l'alcool, on était à la deuxième bière, il s'est dit, bon bah, ouais, on va tout donner. Et donc, du coup, à ce moment-là, t'as fait quoi? T'as pris tes affaires, t'as fait demi-tour, tu t'es casé? Bah non, mais l'histoire est pas finie. Allez, vas-y. Parce que, voyons, on sait bien qu'un corps, bah, ça flotte, et ça remonte à la surface. Oui. Ouais. Et donc, bien évidemment, le corps est retrouvé par la police. Moi, je savais pas. Là, c'est le corps est retrouvé par la police. Et en fait, comme il y avait déjà eu des histoires et tout, enfin bref, le gars est vite retrouvé. Et comme le gars est très con, il a cru que c'était du coup son meilleur ami qui l'avait balancé. Okay. Du coup, il a balancé son meilleur ami et en disant ouais, non, mais lui aussi il était avec moi, machin, il a participé à ça. Et du coup, bah, le gars a fait de la prison pour complicité de meurtre, etc., machin, blabla. Du coup, voilà. Je sais qu'il était sorti pour bonne conduite, mais je t'avoue que au bout d'un moment, j'ai pu écouter son histoire et je me suis plus souvenu au bout de combien de temps. Non, mais il y est allé parce qu'il a pris trop d'amendes sur la route à la rigueur, mais il n'est pas allé. Oui, non, mais. Je pense que son seul casier judiciaire, c'est 135 € d'amende pour l'attestation qu'il a pris pour le Covid-19. Je pense aussi. Mais parce qu'en plus, genre, il avait une tête de gentil. Enfin, pas du tout un mec à régler ce genre de situation et à se retrouver dans un bourbier comme ça, quoi. Mais surtout, même imaginons que ce soit vrai, tu racontes pas ça à ton premier date. Mais oui, en plus, t'imagines... Enfin, c'est bizarre, quand même. Enfin, puis ça impressionne pas, en fait. C'est très chelou, quand même, non? Mais tu sais, il y a des meufs qui sont connes, hein. Ouais, mais franchement, ça donne pas envie. Enfin... Ah, mais tu sais que je sais qu'il y a des gars, quand ils rencontrent des femmes, ils aiment bien genre raconter, surtout dans l'e-sport Twitch et tout. Genre moi je sais, ça balance. Moi, ça balance. Ah ouais, ouais, bon, bah, les dossiers. Des meufs du milieu, elles me racontaient ce que des gars leur racontaient, tu vois, pour essayer de pécho, ouais, tu vois. Ah gros, vraiment, ils racontent des trucs, t'as jamais vu ça. Les bonhommes, c'est des Superman, c'est tous des gérants de structures de millions de dollars. Ils promettent, des postes, ils promettent des mille et des cents. Et la plus grosse particularité entre tous ces gens-là, c'est que c'est des immenses bouffons. Vraiment, c'est toujours des gros blaireaux. Zach balance. Ah non, vraiment, à chaque fois, on m'a dit des blases, gros, vraiment, parce que je disais, attends, lui là,
Lui, là, il est en train de se faire passer pour un Mac. Genre, tu sais que vraiment, ils se font passer souvent, tu sais, pour des gérants de structure, des mecs qui ont des responsabilités. Et en plus, tu vois, ils miroitent en promettant, genre, des thunes, ou des postes, ou des conneries comme ça. Genre, en mode, ouais, t'inquiète, je vais te faire ci. C'est pour ça que tu vois, il y a des meufs souvent, elles intègrent des web TV, des trucs comme ça, gros. C'est vrai, des noms ? Ouais, mais. Non. C'est pas Radio Drama, c'est pas Radio Drama. Un conseil, les garçons, ne mentez pas. Hein. Vraiment, ça ne sert à rien du tout. C'est pas nécessaire, les gars, faut pas raconter. Ouais, du coup, ben voilà. Et bah écoute, je suis un gros mytho, mais c'est, ça a été un date incroyable. Merci à toi. Ouais, merci. Toi, ton micro a saturé, c'était pas agréable. Ah, mince, je disais, tu as une très belle voix. Va te faire enculer, tout ça. Ah ouais, yes, le cerveau. Oh, moi bah, j'ai une copine, on va se calmer. J'ai un copain aussi. Voilà. Donc, ah, mince. Comme ça, tout le monde est en couple ici et on passe à autre chose. Bah écoute, t'as des dédicaces, merci à toi d'avoir venu. Ouais, dédicace à Carnage et Anto. Voilà, bah, dédicace à Carnage et Anto et je te souhaite une bonne soirée. Et oh, là, elle avait une belle voix. Non mais c'est bon, on a compris, il y a ce frère, t'es... ça va ? Ouais. Le confinement, ça, il a faim. Le confinement commence à travailler, là ? Oh, mais c'est sûr, d'ici... En plus, là, il va annoncer que ça va être allongé, je vais devenir fou, hein. Ah, gros, c'est... Ah, d'ailleurs, c'est vrai qu'on va devenir fou, mais en dehors de ça, là, t'es complètement... Je vois que tu sens que t'as besoin de chaleur humaine, toi. Moi, ah ouais, c'est... moi, qu'est-ce que j'ai envie de baiser mon frère. Mais frère, j'en même moi, plus. Hein, moi, j'en peux plus là. C'est un truc de. T'sais... Déjà, un peu avant le confinement, vas-y. J'étais en mode, vas-y, je calcule pas trop les meufs. Mais là, je regrette trop. Je regrette trop. Genre là, tu regrettes de pas avoir assez profité avant le confinement. Totalement. Parce que mais sans pas... déconner, est-ce que. Moi, j'avais une question. C'est vraiment une question sérieuse. Est-ce que vous pensez que le confinement. Genre, vu qu'il va durer, je pense, tu vois, là c'est parti pour 4 semaines, 5 semaines. Ouais. Est-ce que ouais. vous pensez que le confinement va, genre, changer un peu la vie, en fait, des gens ? Genre, non, leur façon de penser ? Je pense pendant une petite période, et puis après, ça reviendra à la normale. Tout, ça va repartir. Ça reviendra à la normale. Mais par contre, là, moi, franchement, là où sans déconner, je suis choqué, c'est que les gens, mais ils sont égoïstes, mais de fou. Ah, ils sont trop cons. J'ai toujours dit, la France, c'est un pays où les gens sont énormes. Mais en fait, ça me choque trop. Parce que... Après, c'est pas que la France, ouais. parce que tu vois, en Italie aussi, il y a eu des tonnes d'amendes, ouais, etc. Ouais, voilà, tu vois, ouais, c'est un peu partout. Ouais, mais moi, je pense que c'est à la nature humaine. Mais tu sais qu'en dehors de ça, parce qu'on va pas forcément débattre de ça, vous savez qu'en Chine, le début de sortie de confinement, ça a en train d'augmenter le taux de divorce, un truc ouais. de fou. Genre, le fait que tu vois des mariés soient vraiment 24 ensemble, tu vois, et même pas des moments de la journée où il y en a qui sont au taf, ou les week-ends, ou les trucs, c'est en train de baiser des couples, un truc de malade là-bas, gros, vraiment. Non, ça doit être relou, H24 avec ta meuf. Franchement, je pense que être 24-24 avec la même personne pendant une petite période, ça peut aller. Mais je pense que pendant des semaines, je pense qu'à la fin, vous avez envie de vous rentrer dans. Bah, en fait, c'est des semaines. En plus, le contexte est trop particulier, c'est que tu peux même pas sortir. Non, tu peux vraiment rien faire. C'est horrible. En plus, là-bas, tu vois, c'était confinement avec course en bas de l'immeuble et tout. Il y a pas de je vais taper mon petit footing et je vais aller chercher mes fruits chez Ahmed au marché, tu vois. Genre, c'est pas comme ça que ça marche, tu sais, le marché de Belleville où les gens, t'as l'impression, ils vont tous se sentir le trou de balle, tu vois, tellement ils respectent pas les 1 mètre de distance, la distanciation sociale, tu vois. Genre, gros, ils sont tous collés et c'est ça qui me fume, gros, c'est que là-bas. C'est vraiment du 24-24, limite ton moment le plus intime, c'est quand tu vas poser une pêche. Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas c'est quoi le mieux entre être avec quelqu'un pendant le confinement ou être tout seul. Franchement. Franchement, moi je suis tout seul, j'ai ma meilleure vie. Tout seul, ah ouais. Ah ouais, franchement, juste j'ai tant envie de calmer. Parce que moi là je suis tout seul, mais je te jure, je suis en train de péter les plombs, moi. Ah ouais. Ah ouais, moi j'ai ma meilleure vie, frère. C'est que je fais toujours les. En fait, je fais toujours les mêmes choses. Tu sais, je sors pas, du coup, je fais rien, enfin, c'est horrible. Je suis pas du tout productif, c'est trop chiant, même, je fais que de regarder les écrans, du coup, toute la journée, je pète un plomb. Elle ressemble à quoi, tes journées ? Bah, c'est je me réveille, en plus, déjà, moi, mon rythme, il est catastrophique. Ah ouais, genre, tu te lèves... Non, mais là, c'est comme t'avais dit, la vie morte. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment là... Tu sais, moi, j'ai même plus la notion des jours, tu vois. Là, je commence à perdre la notion... Non, mais vraiment, je te jure. Ça, c'est inquiétant quand tu commences à... Par exemple, je sais plus la différence entre vendredi ou jeudi, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'avant le week-end, ils mettaient cette petite, tu vois, barrière entre la semaine où tout à fait, les gens étaient pas super chauds, ça sortait pas tout le temps, et où effectivement, à partir du jeudi au samedi, où on va dire que les plus braves vont remonter les manches et se la donnent, quoi, tu vois. Ouais, tu vois, moi, je me réveille, il est 13h, 14h. Là, je fais toujours les mêmes choses à manger, je joue tout le temps à Warzone, je me fais trop chier.
Après, je suis là le soir, je joue au Monopoly sur PS4. Et je regarde un documentaire sur les keufs, nanana, en quête d'action, là. Je vais me coucher, le lendemain, je recommence. Et là, ça fait 6 jours que je fais la même chose. Et toi, en plus, vu que t'es complètement alcoolique, tu peux pas boire, tu te sens pas bien, non? Là, je peux rien faire. Je peux rien faire. Tu pas un petit Franprix à distance, t'as pas loin. Tu te sers pas des petites bières en solo ou quoi? Mais non, je te jure que non. Parce que moi, quand on me dit confinement, moi, je le respecte. C'est juste, moi, quand je vais m'acheter mes courses, c'est vraiment des trucs de première nécessité, genre steak, petits pois, des trucs comme ça. Ouais, mais tu peux bien mettre aussi des bières dans le caddie, hein, ils vont pas te... La vanne vous préparait une gastro. Avant le confinement, j'ai fait une crise de foie. J'ai fait une crise de foie avant le confinement parce que... Je te jure. T'as fait une crise de foie parce que tu buvais trop. Parce que j'étais un petit peu trop dans la binouse, et du coup, là, tu as... Enfin, crise de foie, tu sais, c'était juste, j'avais des vomissements et tout, bref, c'était pas grave. Ouais. Je me suis dit, vas-y, je vais me calmer, tu vois. Ah ouais, ouais, c'était chaud, la semaine dernière quand je suis pas venu. Ouais. Et du coup, je me suis dit, vas-y, je vais me calmer. Et là, pendant le confinement, tu vois, j'essaye d'être un mec clean. Ouais. Moi, j'ai un pote à moi, il est président du BDE de l'EM Strasbourg, tu vois. Ah ouais, on les connaît, les présidents de BDE. Et gros, vraiment, mon pote, tellement il avait picolé, genre tout le temps, genre ils avaient un bar à bière et tout, tu sais, dans l'école et tout, ils picolent tout le temps, etc. Tellement ils avaient fait ça, un truc de ouf, qu'il avait commencé à avoir, gros, ses yeux, ils commençaient à jaunir. Ouais, mais ça c'est dangereux. Et ça, c'est la cirrhose, ça. Ouais, et c'est les signes d'une cirrhose du foie, tellement il avait bu sur une période très très longue, tu vois. Et ben il commençait à avoir une cirrhose du foie, donc du coup, tu vois, il s'est arrêté pendant un mois, un truc comme ça. Mais gros, c'est chaud, tu vois. Ouais, non, mais après, tu vois, moi, c'est juste parce que je picole, parce que mes potes et tout, même, bref, ça. Parce qu'Angers, c'est vraiment une ville festive, c'est une ville étudiante et tout, bref, on picole, mais pas comme des demeurés, tu vois. Angers, c'est plutôt une ville festive ou une ville de merde? Non, c'est une ville festive, sans déconner, il y a plein d'étudiants. Le prix de l'immobilier, il est en train de grimper et tout à cause des étudiants et tout. Joël, il a dit les deux. Non, mais quand le confinement va se lever, je pense que... Mais là, ça va être la troisième étoile sur le maillot, mais laisse tomber. Hein. Avec Joël, on viendra taper un week-end à Angers, je te l'ai dit. Mais viens, non, mais je te jure, gros, que je pense que quand le confinement va être terminé, mais ça va être un bordel monumental. On fera Radio Street dans la rue avec le backpack, frère. Petite parenthèse, tu viens de dire un truc, Zach. Ouais. Moi, je suis chaud un jour, on fait une radio, et je sais pas, je retourne dans mon quartier, on prend des trucs chez moi, on fait une ambiance... Tu vois, moi, tu sais que j'aime ce genre d'ambiance, tu vois, truc ghetto, ça peut être lourd. Toi, tu l'as fait à Lyon, dans ton quartier, moi, je l'ai fait dans 9-4, dans mon quartier. Mais qu'est-ce dans mon quartier, frère? J'habite Lyon 3ème, y'a que des grands-pères ici. Ouais, je sais pas, tu trouves des... Tu vas à Bron. Ouais, voilà. Je vais à Vénissieux, Bassem 6-9-200. Voilà. Moi, je l'ai fait à Rouget de Lille, à Choisy-le-Roi, on fait un truc ghetto et... Vas-y. Non, mais le pire... Bonjour, on se rejoint, on fait le radio, on se rejoint tous à Paname. Et on le fait. Vas-y, on verra. Bon, vas-y. Du coup, on va passer à un autre problème. Déjà, attends, je tiens à te dire un truc, hein, parce que là, tu vois, on parle entre nous et tout, ça va, on se marre. Dans le chat, il y a un ou deux mecs, ils essayent de balancer des petits zzzz. Il n'y a personne qui vous suit, bande de gros forceurs. Allez vous faire enculer. Voilà, tout ce que je tenais à dire. Alors, prochaine histoire, vous voulez prendre qui? Vas-y, non, c'est à moi. Allez, ouais, c'est à toi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ah, ça va, et toi? Ouais, tu peux enlever le stream. Attends, j'ai coupé. Salut, beau gosse. Salut, les gars. La gueule du chat. Ouais, forcément. C'est pas drôle s'il force pas un petit peu. Bon, tu vas bien, gros, quoi? Ça va, vous? Ça va, nickel. Juste, la présélection est vide, les gars, dans le chat. Je vais vous remettre le lien. S'il y en a qui veulent passer, nous raconter une histoire de n'importe quoi. Raconter des dossiers. Des dossiers, non. Venez, on veut pas vous forcément écouter. De cul, c'est pas, bon. On veut vous écouter. On veut vous écouter. Et... Radio confession, ici. Exactement. Confessionnel. Bon, tu vas nous raconter en quelques mots ton histoire. On va t'écouter et on va voir si on va passer à autre chose que le zzz. C'est à toi. Ok, alors, en quelques mots, fille pote de ma mère, clito et vomi. Ok, génial. Oh, c'est les problèmes, ça encore. C'est les non, problèmes. Non, ça va, c'est pas assez clean. En vrai, ça va. Ça va, c'est clean. Un peu. Si c'est nul, on te vire. Donc, vas-y, ouais, voilà. Vas-y. Bah, attends, on regarde ce que le chat dit. Go, vas-y, oui, go, gros nibar. go, oula, oui. Allez, bah vas-y, ça, attends, on t'écoute. Ok, alors en fait, l'été dernier, j'étais parti en voyage avec du coup ma famille et la famille d'une des meilleures potes de ma mère. D'accord. Donc c'était à la plage, les villes côtières et tout. Et donc on passe 3-4 jours ensemble et il y a une soirée où ils vont
Pas dans un autre pays, mais presque. Je sais pas comment t'expliquer. Sans me cramer, en fait. Quoi ? Bref, ils vont ailleurs. Ils vont dans une autre ville. Ou alors, vous êtes allé dans une ville frontalière où il y a un peu, qui est juste à côté. Voilà, c'est comme si tu vas à Tanger, tu finis à Ceuta. Ok, bon, ça, je suis marocain, moi, j'ai la ref. Vas-y, c'est parfait. Et du coup, bah, mes parents, ils se barrent. Les parents de la meuf, ils se barrent. Mon frère, ma soeur, ils se barrent. Le frère de la meuf, ils se barrent. Et du coup, je reste avec la meuf. La voie était libre. Hein ? La voie était libre. L'autoroute A4, frère, y'a plus rien. Et du coup, bah, moi, je vais prendre ma douche, moi, ma couille. Et je laisse la meuf faire ses bails. Et du coup, je reviens et elle est en train de regarder la télé. Et je me fais chier, je me dis, vas-y, je vais mettre du foot. Et du coup, je prends la télécommande et commence à... Tu sais, genre, tu te bats, mais tu rigoles, tu vois. Ouais. Et du coup, bah, elle se met au-dessus pour choper la télécommande, machin. Elle pousse, c'est bidule. Et ça finit en bisous. Et du coup, commence à se pécho normal. Tu connais les fausses bagarres comme ça, où ça s'envoie ouais, des coups comme ça. À la base, mais arrête mais où le contact physique commence à avoir les... Mais arrête Non, mais tu sais, au début, tu comptes choper la télécommande, à la fin, tu chopes ma bite, tu vois. Donc... Et du coup, bah, on commence à s'embrasser. Au début, tu chopes la télécommande, à la fin, tu chopes ma bite. Ouais, bah, et du coup, on se déshabille, machin. Enfin, je me déshabille. Ouais. Et ensuite, elle se déshabille et... Ben, du coup, tu sais, c'est comme ce qu'il avait dit Manu quand il était passé. Tu te déshabilles, mais du coup, tu continues en même temps, tu sais, c'est pas chacun d'entre eux. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, t'es dans l'action, c'est... Ouais, et du coup, ben, et comme un des trucs que je kiffe le plus, c'est les cunis, et ben, du coup, je descends. Sauf que là, gros, tu vas... Là, va sur Google tout de suite et tape clito géant, frère, c'est un micro-pénis, le truc. Déjà la recherche elle est exceptionnelle. Non mais juste regarde. Ah ouais. Oh non. Et gros, et du coup je vois ça en face de ma gueule. Attends mais non mais ça, genre, mais ça c'est pas un clito, c'est un cornichon ça. C'est une tub. Oh pardon. Attends mais elle a la troisième jambe intégrée. Non mais attendez les mecs. Vous êtes sur Google ou pas? Ouais. Regardez la deuxième rangée tout à droite, je sais pas si on a les mêmes... Oh non, c'est horrible. Est-ce que t'as vu l'image? Oh bah oui. C'est bon. Quoi cette merde? Non, moi je vois un clito et je vois un clébard, je comprends pas. Je vois un clébard qui lèche une chatte. Ah, oh, mais ferme ta... Oui, j'ai dit, c'est dégueulasse, va te faire foutre. Attends, je vous envoie l'image. Non, c'est bon, on l'a vu, c'est dégueulasse. Non mais attends, mais le truc en plus, tu vois, il est tout petit. Attends, mais gros, il est tout petit, mais il n'y a pas de tout. Non, mais ce que je veux dire, c'est oui, c'est énorme pour un clito, mais c'est un truc de petite taille, c'est devant le vagin, t'as l'impression que c'est un micro limite, tu vois. Oui, normalement. C'est horrible, vas-y, on t'écoute. Et du coup, je descends, et moi, j'étais tout content, machin, c'est bon, je me dis, je l'ai serré. Et là, j'ouvre les yeux, et je vois sa grosse tub là devant moi. Et j'ai pas des remontées acides, mais presque, tu vois. Et tu sais, quand t'as le petit vomi, et je tousse, ça m'étouffe. Ouais. Et il y a un peu qui part sur elle. Et du coup, je lui sors un sevi en mode machin, je viens de bouffer et ça m'a secoué. Du coup, bah, j'ai dégueulé un peu. Est-ce qu'on peut reprendre ça plus tard? Ouais. Et du coup, bah, le reste du séjour, il devait rester 3-4 heures du séjour. À chaque fois, je vous esquivais. Ouais. Et le problème, c'est que cette meuf, à part ça, elle est ouf. Tu vois, genre, elle est super mignonne, elle est super gentille, elle est trop chou, tout ce que tu veux. Il y a juste le cornichon, quoi. Il y a juste sa tub qui me dérange, tu vois. Du coup. Après, là, c'était ce que je te dis ça, c'était juillet, tu vois, en mars, là. Et le seul truc qui m'a permis de vesquer un peu, de sortir avec, c'est qu'elle habite à l'autre bout de la France, tu vois. Ok, ça t'a aidé, ouais. Et du coup, on s'est vu deux fois, une fois avec nos familles, et une fois, elle est venue chez moi. Et tu sais, j'ai commencé à... Je me suis dit, vas-y, je vais essayer de passer où, je lève les yeux et je passe outre. Sauf que là, bah, si t'as encore la recherche Google d'ouverte, tu vas voir une tête dans la fenêtre avec le clito là. Oh. Et c'était la même chose, tu vois, j'essayais de rentrer bout du bout, et là je baisse les yeux, et je vois, j'ai un truc sur mon gland, gros, je pouvais pas, j'ai pas continué, gros. Ouais, genre il te tapait le check. Mais c'est, non, c'est, il était allongé dessus, en fait. Oh, et du coup, bah, le problème c'est que soit... Je la dégage, et à ce moment-là, faut esquiver madame. On dit pas je la dégage, on respecte, s'il te plaît, monsieur. Non, après, je me dégage, moi, en fait. Après, franchement, c'est pas simple, ça doit être dur. De quoi? Mais soit, enfin, si vraiment ça te gêne, essaie d'être un peu diplomate quand tu fais. Ah, mais non, mais gros, mais la meuf, je l'adore, en fait. En dehors de ça, je la surkiffe, tu vois. Ouais, mais après, est-ce que tu penses, tu peux pas passer outre de... Genre, dans ta tête, c'est impossible de passer outre? Mais je t'ai dit, j'ai essayé, j'avais Master Sword sur ma bite, frère. Franchement, moi, perso... Toi, Yass, t'en penses quoi?
Moi, ça me dégoûte. Hein. Il joue à l'heure, t'es bien silencieux. Plutôt géant. Non, mais hey, Elias, t'as vu le chien là? Non, j'ai pas, mais justement, je suis en train de chercher depuis tout à l'heure ta photo de Clébar là. T'as juste Clito géant. Et regarde la deuxième. Et du coup, non, mais. Mais toi, arrête avec ton chien, sale bâtard de mais attends, mais j'ai tapé Clito géant, mais j'ai pas trouvé le Clébar. C'est ça que t'as pas vu? Mais si, j'ai vu justement. Oh, mais je suis mort. Genre, je vois ça, C'est pour ça que je te dis, Mais moi ça me fascine, enfin ça me dégoûte et ça me fascine en fait. Non mais le problème c'est que en plus tu sais je suis en médecine. Ah putain le clébard. Putain je vais. Non mais on va arrêter avec le clébard là. Non mais il est horrible. Bref, et du coup le truc c'est que je suis en médecine donc ça me dégoûte pas, tu vois, mais ça m'excite pas non plus. Moi franchement donc... je vais te dire un truc, déjà c'est un truc qu'elle contrôle pas et comme il y a quelqu'un. Ouais mais j'ai pas envie de la complexer, tu vois. Déjà la pauvre. Vraiment la pauvre. Ouais, oui, ça, j'ai pas envie de la complexer, tu vois. C'est horrible d'avoir une antenne réseau là, comme ça. Ah, vas-y. Ça, cet endroit là. Elle a un relais 4G, Miskina. C'est horrible, c'est horrible. Attends, mais j'ai pas envie de la vexer. Vu la pauvre, la mode. Non, mais j'ai envie d'être de le faire ça gentiment, tu vois. Genre les darons, à la rigueur, je m'en bats les couilles, tu vois. Au pire, c'est pas leur vie, tu vois. Mais elle, j'ai pas envie de la. Non, parce que. De la blesser. Déjà, tu vois, il y a un truc, c'est que tu dis. La chose qui m'empêche de le dire, c'est qu'elle. Enfin, qui m'empêche. Qui me permet d'esquiver, c'est qu'elle habite à l'autre bout de la France. Mais un truc qui te fait esquive aussi, c'est que t'as pas osé lui dire. Oh putain. De quoi? Bah, c'est que t'as pas réellement osé couper les ponts. Non, mais je veux. C'est pas ça, c'est que je veux pas couper. En fait, si ça tenait qu'à moi, je passerais outre. Mais je t'ai dit, on a réessayé une fois, et je t'ai dit, je voyais le truc sur ma queue. Ouais, ça t'écoutait pouvais... trop, ouais. Non, mais c'est... Oui, genre, je pouvais pas, en fait. Et, ça, et tu ça penses que vous pouvez pas garder une relation un peu normale? De quoi, pote? Pas forcément pote, mais cordial. De quoi? Non. Non, pour toi, bah, donc du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut te conseiller, là? Non, mais en fait, je sais, c'était surtout l'anecdote parce que. Au pire, parce qu'elle est drôle, dire, l'anecdote, crois-moi. Parce que je peux lui dire de façon diplomatique, comme je suis désolé, mais ou je peux lui inventer un sevi, tu vois, mais. Parce que vraiment, là, moi, je te conseillerais, a priori, vu qu'il y a tout le reste, tu vois, de passer outre. Mais si c'est réellement trop, trop compliqué, bah. Ouais, soi, mais passer outre, attends, mais passer outre, ok, si c'est relation en mode mignonne et tout, genre, il n'y a pas de problème, ok. Mais il y a un moment où il faut qu'il y ait du sexe, tu vois, c'est ça le truc. J'ai trouvé la photo du clébard. Arrêtez avec le clébard, bande de chiens. Eh, bon, depuis tout à l'heure, chargé. Ils veulent pas s'arrêter avec le clébard, je peux pas vous la montrer sur le stream parce que sinon ça va ban ma chaîne, frère. Sinon, je vous la montrerai bien sur le stream. Hein. J'ai même envie de dire ça reste entre nous. Mais ah, y en a pas qu'une en plus. elle est horrible l'histoire. Attends, est-ce qu'on. Joël, il s'est auto-muté ce chien. Non, il mord de rire. Ouais, Joël, t'es là? Joël, il a 45 ans et il rigole sur ça quand même. Gros, Joël, il a vraiment 39 ans et il est mort de rire sur ça. Gros. Est-ce qu'on ramènerait pas quelqu'un de réaction là? Vas-y. Pour voir s'il a quelque chose ouais. À dire sur ça? Vas-y, super. On va ramener Ted. Tiens, Ted. Ted, notre ami. Ted, notre ami. Hop. Bonsoir, Ted, t'es là? Bonsoir, Ted, il faut se démuter, monsieur. S'il vous plaît, Ted. Allô? Oui, Joël, ça va mieux? Non, mais en fait. La surprise, c'est quand je regarde les images, normal, j'ai eu le clébard. Bonsoir, Bisbis, ça va? Relâche. Bien. Calmé. Oh putain. Tranquille, ouais, les gars, attendez, je mute le live. Pas de soucis, ouais, vas-y. Ça va bien? Ouais, moi, le conseil que je pourrais donner à notre œuf là, vas-y, c'est dis-nous. Ferme les yeux, hein. Mais tu le sens, gros! Non, mais attends, mais tu le sens! Il a donné un bras comme ça! Il m'a dit ferme les yeux! Ah, il faut fermer les yeux! Je suis mort, c'est quoi ce conseil? Comment ça, ferme les yeux? Genre, à quoi c'est le conseil de l'année? Genre, t'as réfléchi à ça? T'es venu sur Discord pour dire allez! Ferme les yeux! Non, mais vas-y, j'étais pas prêt! Vous m'avez vu, c'était trop brusque! Non, mais en soi, le conseil, il est marrant, mais bon, c'est un peu comme si tu faisais baisse dans le noir, quoi, tu vois, genre, le jour où il est 14h, tu fais quoi, c'est... Non, mais même si tu vois pas, tu le sens, je te dis, genre, tu peux rien faire, gros. Ah, mais attends, j'ai une question, Zach et Yass. Vous, une fille qui a ça, ça vous dérangerait ou pas? Franchement, ouais. Ah ouais, moi, pas du tout. En fait, moi, j'arrive pas à le visualiser, en fait. Ouais, non, bah, en fait, c'est moi, je visualise que à travers les photos, et si c'est comme les photos, sans déconner, c'est... Non, franchement, il y en a, c'est hardcore, mais franchement... Non, c'est insoutenable, sérieux. Moi, ça me dérangerait pas plus que ça. Non, en gros, arrête. Mais franchement, mais c'est toi, juste t'es pas devant le fait accompli, en fait. Et toi, quand t'as vu ça, t'as pas essayé de t'adapter? Tu t'es pas dit, je vais taper l'œuvrette de maçon pour... Mais je t'ai dit, j'ai remonté assis, j'ai toussé, j'ai failli...
Non, et la deuxième fois? Bah non, la deuxième fois, c'est genre je me suis tenu un peu, j'ai pas exact le truc ou quoi, je lui ai dit non, j'arrive pas, je me sens pas bien, tu vois, j'ai inventé un souvenir, mais j'arrive pas, je suis fatigué, tu vois. Putain, mais hey, toi, t'es plein de souvenirs. Non, mais sérieux, les photos, c'est inacceptable, sérieux. Parce que à la rigueur, ça aurait été un truc d'une fois, j'aurais pu peut-être passer outre et me dire, vas-y. C'est drôle, en fait, j'ai baisé. Vas-y, au pire, même tu le sens un peu, tu te dis c'est comme un chausse-pied, tu vois, genre c'est. c'est pas... Oui, mais le truc il est posé au-dessus. Non, je sais pas. Après, je change son. Tu sais, il est posé au-dessus, on dirait c'est une webcam, genre POV. Mais il bronze sur mon gland, gros. Il y a Carnage, il est à la régie, là, il change les POV, gros. Ah putain. Bon bah écoute mon frérot, bon courage pour cette histoire. Moi je te conseillerais juste un truc, hein. Préserve-la un peu et sois. Ouais non, je vais faire ça gentiment, c'était plus pour l'anecdote. Ça a l'air d'être une super personne et elle ne mérite pas de souffrir. Tu veux passer une dédicace, frérot? Ouais. Ah oui. Ouais. Alors dédicace au frappement cadré. De quoi? Dédicace à la SPA. Non, ouais. Super. Non, dédicace au frappement cadré de Joël, à Kameto, à Manu. Ouais. Oups. Désolé, j'ai changé de channel. Hop. Il a insulté tout le monde en fait, ce bâtard. J'ai pas entendu les dernières dédicaces donc. Ah, et le mec il s'est foutu de la gueule de Joël pour le barbecue nique ta mère aussi. Oh, attends, t'es un frère. Dédicace à toi. Attends. Ah non, maintenant. Et mon frère Biz. Mon frère Biz Biz et qui est ferme les yeux. t'as des dédicaces. Ouais, non, j'ai une question. Car ça tue les gars. Le Discord pourrait s'écorcher. Tais-toi, Joël, wesh. Non, non, non. Joël, FC N-Word, on est ensemble, mon ref. Et les autres, allez vous faire foutre. Oh bah super. Power, c'est ça mon frérot. Attends, il a dit ça, il a déconnecté dans la minute. De quoi, Joël? Non, non, je disais à la régie. Prenez ses coordonnées pour faire un question suite. Attends, mais à la régie, mais y a pas de régie, gros. Non, mais Nico, il a mon Twitter, donc c'est bon. Ah ok, parfait. Okay. Hey, Joël, il s'est rembourgeoisé, gros, la régie. Ah non, attendez, les gars, j'ai juste deux questions en speed. Ouais. Vous allez en refaire des Radio Libre parce que j'ai pas suivi le. Tous les dimanches. Oh, bah, et il y aura les rediffs encore? Oui. Ouais, sur la chaîne de Zach. Il y aura encore plus de rediffs, plus de. Ça va être organisé. Plus d'argent chez Zach, vous allez voir. Joël, il me fait passer pour le mec riche, mais c'est pas totalement vrai. Voilà, je te dirais pas que ça. Et c'est pas totalement faux. Non, c'est pas faux du tout. Vas-y, bonne soirée, frérot. Bonne soirée. Dédicace à. Oh bah voilà, je l'ai découvert. Désolé pour lui. Son micro il pue la merde. De toute façon, ici, et je pense qu'on le sait tous, et d'expérience, le plus riche, ça reste Yass, tu vois, qui lui... C'est Yass. Lui, en fait, il est pas riche, il a vraiment des mannes d'argent qui sont... Depuis tout à l'heure, je regarde les photos de Quito géant, quand même. Mais toi, va falloir que t'arrêtes de regarder des photos. T'as vu le géant? Ouais, je l'ai vu, le clébard. En fait, il est à la troisième rangée. Ouais, ah, moi, il était à deuxième. Mais il y en a d'autres. Y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Ah ouais, putain, c'est... Et toi, Joël, tu fais le mec street machin, mais toi aussi, t'as des thunes maintenant. Oui, mais ça n'empêche pas que je peux rester un peu. T'as plein d'argent. T'as vraiment plein d'argent, Joël. Toi, Joël, gros, t'as trop de thunes. Faudrait que tu déclares un jour tes salaires là un peu. Moi, je suis un radin, moi, c'est pas pareil. Ouais, c'est vrai que t'es un radin au point d'acheter un casque de chantier. Radin. C'est la radinerie qui m'a radin. Non, c'est pas la radinerie, c'est les contrats. J'ai beaucoup d'argent dans la bouffe. Attends, oui, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Toi, tu manges vraiment comme de la merde, toi. Ah ouais, je plaisante pas avec toi. T'aimes trop cette vie, toi? Ah, j'adore ça. Manger, baiser, dormir. C'est ton rythme? Là, actuellement, c'est manger, dormir. Et ça se passait avant le confinement, là, tes trucs de MMA et tout? Ouais, j'allais vite fait et tout, et... Vas-y. Ton micro, il a coupé. Ah, ouais, j'allais, mais au moment où j'ai voulu... Vrai rythme, bah... Et tu te faisais casser la gueule un peu, ou pas? Ouais. Bah ouais, gros. Genre vraiment, genre le gars avec qui tu t'entraînais... Bah en fait, vu que c'est des sparring, il sait pas te mettre des... Il te défonce pas à fond, tu vois, mais... Tu sais que si le mec, il force un peu, t'es mort. Je vois. C'est un truc. Bon bah écoute, on va commencer... On va prendre quelqu'un d'autre. Ah, oula, il y en a un qui a un nom qui est très intéressant. on va le prendre après, d'accord? On va prendre deux films. Il y a un mec qui s'appelle Mex Ex Affiché, merci Joël, prends-le. Non, on va le prendre après parce qu'il y a deux films, une sauce qui attend depuis le début, on va voir ce qu'il a à dire. Okay. Ouais, vas-y. Bah après, le truc c'est aussi muté micro, j'espère que... Enfin, casque, j'espère qu'il sait qu'il est là. Sinon, on va essayer Q à l'air toilette prof. Non, mais le mec, le nom, il est incroyable quand même. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ou quoi? Tranquille. Ça va, tranquille. Bienvenue sur. Un jour, va falloir se trouver un nom, hein, parce que c'est vrai que Radio Sex c'était pète sa mère, mais là, faudrait trouver un blaze. Un blaze sympathique. Radio Virus. Oui, bah. Mec, on a été créé pendant le virus.
on distrait les gens pendant le confinement, Radiovirus. Radiovirus, ça pue sa mère. J'appelle ça le Covid. Covid Station. Bon, vous allez continuer avec tout le monde mal à l'aise. Ah, quand même, écoute, ça tue valait mon. C'est vrai, c'est vrai. Non, pour être plus sérieux, du coup, je dirais juste bienvenue sur Radio Street, pour ça, on va appeler ça comme ça. Merci. Tu vas bien, gros? Tranquille, et toi? Ouais, pépère, je vois que t'as l'air de bonne humeur. Et vous? Ça ouais, va, toujours. Moi, ça va, merci. On rigole bien. Joël, bien ou quoi? Ça va. Joël, malgré le confinement, il... Ça va bien, sparring. Oh. Attends, il t'a proposé de te casser la gueule, là, concrètement. Tu dis quoi? Vas-y, moi je suis chaud, moi. Bah, quand ça ouvre, moi je suis chaud. Hein. Vas-y. Vas-y, donc du coup, t'as quelques mots pour nous raconter un petit peu les prémices de ton histoire, nous donner envie d'écouter. Et puis ensuite, si ça va, si le chat est ok, bah, on écoutera tous les détails avec plaisir. C'est à toi, frérot. Bah, moi je me suis mis en couple avec une fille que je pensais apprécier au début. Ça s'est mal passé. Ma mère l'adorait de ouf parce qu'elle s'occupait de moi. Sauf que moi je me suis forcé pendant plus de 2 ans. J'ai rencontré une fille que j'aime de tout mon cœur et que j'aime encore. Et un jour ou l'autre, là il n'y a pas longtemps, je me suis fait cramer les deux. Et de la merde. Attends, il n'y a pas longtemps, t'as quoi? Et il n'y a pas longtemps, j'étais en stage chez ma meuf de base. Et je l'ai quitté, et 2 jours après, ben, je me suis fait cramer quand même. Ah ouais, ça mais va, attends, mec, mais t'es venu dépressif, là. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Gros, je suis passé de 2 à 0, frère. Ah, c'est ça, ta dépression. Ah ouais, c'est vrai que là c'est le mec qui a tout perdu, là. Ah gros, j'ai plus rien, là. Eh, moi, franchement, ton histoire, elle m'intrigue un petit peu. Joël, Elias, vous en pensez quoi? En fait, le truc, c'est que je sais pas, c'est allé trop vite pour moi là. Trop vite, quoi. Ouais, mais j'ai plein de détails. On lui a demandé d'être concis, tu vois, d'expliquer en quelques mots. Attends, s'il te plaît, tu peux réexpliquer. On te laisse une deuxième chance. Réexplique, je vais augmenter un peu ton micro, comme ça on peut mieux écouter. Vas-y, à toi. En gros, j'étais en première année de fac, j'ai rencontré une fille, je pensais que tout se passait bien. Au final, je me suis mis en couple avec, j'ai dû vivre avec elle dès le début en fait. Et première fois, j'arrivais même pas à bander, frère, parce qu'en fait, elle m'attirait pas du tout. Okay. Et moi, je suis un mec, je sais pas dire non. Je suis un putain d'enculé, mais je sais pas dire non, tu vois. D'accord. Encore moins avec les meufs. Et du coup, je me suis mis en couple. Et je suis resté 1 an comme ça, tu vois, 1 an à vivre avec elle, à me forcer, gros, carrément, à me forcer, frère. Ouais. Voilà, larme à l'œil, Chirac sans main. Et tu vois, et du coup, ben, je l'ai présenté à ma famille, puisqu'au bout de 2 ans, tu vois... Oh, l'erreur. Au bout de 2 ans, tu vois, tout... Non, mais tout se passait bien. Parce que c'est une fille, tu vois, je l'appréciais de ouf, parce que c'était ma deuxième maman, tu vois, le délire. Mais t'es sûr que ça va, frérot? Ouais, ça va, tranquille. Non, en fait, y a pas quelqu'un qui te menace autour de toi, tranquille? Non, ça va, tranquille. Okay. Ouais, et donc, il y a un petit peu la voix de Bruce Granet, vous trouvez pas? Non. Vite fait. Eh, vas-y, dis les gaz. Dis, elle est trop bien cette TV. faut pas Van Bruce ici, là, frère. Non, et donc du coup, tu t'étais forcé un petit peu, et il y avait une autre meuf que t'as rencontrée où tu aimais vraiment, et donc t'as quitté la première alors que t'étais en stage dans son entreprise, et tu t'es fait choper, et donc du coup, à cause de ça, et ben tu t'es retrouvé avec plus personne, c'est ça? Ouais, carrément. Ok, est-ce que le chat veut écouter, sans, tu vois, les trolls, machin, etc., oui ou non, le chat, juste oui ou non, on va voir, c'est le chat qui va déterminer si on t'écoute pour la suite ou non. C'est pas nous qui sommes décisionnaires. C'est éparpillé. Il y a des rasades de oui. Tu peux pas mettre un stropol au pire? Ouais, faudrait mettre un... Attends, tu sais quoi, je vais faire un stropol très rapide. Hop, vas-y. C'est quoi, c'est un stropol? C'est un sondage. Un sondage en ligne, en direct. C'est quoi un stropol? Hop. Qui c'est qui parle comme ça là? C'est Joël. Qui parle comme ça, c'est toi. T'es un bâtard. Hop, je vous le mets dans le chat. Je vous l'ai mis dans le chat. On va laisser 2 minutes. Eh, Joël, ça vient d'où? On le laisse 2 minutes et on voit ce que le chat a à dire. C'est vous qui voyez. Vas-y, vous pouvez voter. Vous avez le lien dans le chat tout de suite. Hop.
Tac, on va le laisser. Regarde, je vais mettre. On laisse. Alors, je mets le chronomètre d'iPhone, tu sais quoi. On va laisser. C'est quoi ce trompin hein. On va te faire. Bâtard, bâtard. Les gars, le chronomètre a commencé. Dans 1 minute 50, on revient. Oh, vous avez le Stropole dans le chat. C'est vous qui décidez de si on écoute ou pas. Et Joël, sache que c'est vraiment un sale enculé. Oui, dis-moi. C'est quoi un Stropole? Attends, je tiens le trou. Quoi, t'es mon gars, toi? C'est vrai qu'il est marrant. C'est vrai qu'il est marrant. C'est mon gars. Non, c'est bien, il a de l'humour, c'est le frère. Il a de l'humour. Ouais, tranquille. Non, non, c'est bien, t'es pas vexé. Moi, j'ai envie d'écouter. Je veux l'écouter, moi. C'est vrai que le Stropole, là, pour l'instant, il t'en... Regarde, je vous le montre dans le chat. Ouais, le Stropole, il tombe plus. Il y a 60-40, là. Il y a 60-40, 60% de gens qui ont envie de l'écouter. 40 non. Bon, tu sais quoi, on va pas le mettre 2, on va le mettre 1 minute, ça suffira. De toute façon, la tendance, elle s'inversera pas en quelques instants. Je pense qu'il a gagné le oui, là. Allez, attends. 3, 2, 1. Et on t'écoute, c'est à ton tour, frérot. Le Stropole a été gagné par les oui. Ok. Ouais, je dois détailler et tout. Pas trop non plus, quoi, tu vois, voilà, essaye d'être concis dans le truc intéressant à t'écouter, à écouter. Ouais, ok, je vois le bail. Bon, déjà, j'ai dit au début, tu vois, je savais pas dire non. Ça veut dire, je suis un mec, vas-y, rarement je suis célibataire, j'avoue, tu vois, ça part toujours sur une meuf, je la trompe avec une meuf, que je me remets en couple avec elle, que je retromperai avec une meuf. Ah, c'est pas bien, et... ça. Ouais, c'est vrai, mais parce que je suis une merde, gros, tout seul, j'avoue, carrément, tu vois, genre, moi, je suis un gars, j'aime pas être tout seul, pas du tout. D'accord. Bref. Je me mets en couple avec elle, tu vois, avec Daphné. Oh putain, d'ailleurs, je commence. Quelle erreur. 404 notes found, là. Vas-y, Merliche. Alors, Daphné, du coup. Sale bâtard. Vas-y, tranquille. Allez, et bref, je me mets en couple avec et vas-y, ça se passe vraiment mal au final. Tu vois, genre, je me retrouve à devoir coucher avec elle, mais premier, genre, moi, genre, vraiment, la panne, genre, je veux rien du tout, frère, j'avais vraiment pas envie. Alors, pourtant, tu vois, vas-y, je fais des efforts, je suis culé, tu vois, il y a une meuf devant toi, porte tes couilles, tu la baises, même si elle est bizarre, tu vois. Moi, tu vois, faut flex toujours, tu vois, toujours flex. Pour sauver le trouble dans l'esprit de tes voilà, amis. Voilà, exactement. Et tu vois, au bout d'un an, frère, moi, j'en peux plus, déjà. Un an, il se passe. On change de ville, on se remet ensemble dans le même appartement. Moi, au bout d'un an, je commence à trouver des excuses. Je joue tard la nuit à la PS4, tu vois, pour l'esquiver. Au bout d'un moment, une seule fois, je porte mes couilles. Gros. Je monte dans la chambre, je fais vas-y, tout, je suis chaud, vas-y, tranquille. Ça part, tranquille. Je mets en levrette. Et tu sais pas, moi, c'était une chambre en mode sous les combles, tu vois, c'est petit. Et on était dans le sud et il faisait chaud, tu vois. Ouais. C'est tout, gros doggy style. Tranquille, il fait chaud. On dit des pistoles, cousin. Gros doggy style. Doggy style. C'est vraiment Brice Granex, ce mec, sérieux. C'est vraiment lui, sérieux. Gros doggy style, je suis mort. J'ai chaud, j'avais ma petite stevée, là. Dans les beaux plombs, là. Gros style doggy. Hey, doggy style, on s'en bat les couilles. Vas-y, donc. Hey, bref, et c'est pas, il y a une odeur qui commence à arriver. Une odeur, frère. Les catacombes. Tu vois, il faisait chaud. On était sous les combles en plus, frère. C'est un... Voilà, dinguerie, l'odeur. Ah, frère, je me suis posé sur le côté et j'ai rigolé, frère. Voilà, j'ai rigolé, frère. Je savais pas quoi faire, j'ai rigolé devant elle. Parler, je suis reparti jouer à la play, gros. C'est hyper vexant. Ouais, mais tu sais pas quoi dire, gros. Tu sais pas quoi dire. Déjà, je me force. En plus de ça, je me prends ça dans le nez, gros. c'est dur. T'sais que ça me fait penser à un truc que tu disais. Un truc que j'avais lu sur Twitter tout à l'heure. C'était une meuf, c'était une américaine. Elle avait tweeté, elle avait dit ouais, si vous rencontrez une meuf et entre ses jambes ça sent la rose et les fleurs, c'est qu'elle a mis un truc parce que dans cette zone en général ça sent la même chose que la chaleur qui se dégage à l'arrière de la PS4. Gros, la vie de ma mère, j'ai mais non, mais en vrai, les chats ça sent. Non, mais tranquille, là il n'y avait pas d'odeur. Ouais, non, mais là, c'était pas la chatte, là. Ça sent les fasses, la chatte. Tu vois, une odeur de chatte, c'est pas dérangeant, ça passe, tranquille. Ouais, mais là, c'était une odeur de cul, frère. Et...
Tu vois, ça, c'est pas mon délire encore. Bah, ouais, vas-y, on t'écoute, continue. Et tu vois, cette fille-là, je me force, puisque ma mère, ma famille, elle l'appréciait, parce que c'est une fille, tu vois, elle m'apportait que du bien. Hein. Genre, elle me faisait travailler à l'école, parce que moi, sinon, je travaille pas, tu vois, je suis vraiment au baltringue. Genre, elle me faisait travailler à l'école et tout. Genre, elle m'a fait réussir, en gros. Du coup, je pouvais pas la quitter. Et là, il n'y a pas si longtemps que ça, je devais partir en stage. Et moi, je voulais pas y aller là-bas, parce que je devais retourner, justement, chez cette fille-là. Et pendant que j'étais rentré dans ma ville natale, j'ai fait la connaissance d'une fille qui est... ouais, d'une fille, bref. Et ouais, elle m'a carrément piqué, la go, tu vois. Genre, c'est une meuf vierge. Elle est belle. Elle me fait rire. Tu vois, bon délire. Vraiment, un truc, j'ai jamais vu ça. Tu vois. Un truc, tu te dis, ouais, elle... Tu vois, un truc où t'as envie d'être sérieux, tu vois. Mais moi, j'avais envie de dire tout ça, que machin, il y avait encore cette personne derrière moi. Ouais. Mais j'ai pas eu les couilles, j'ai pas eu les couilles, tu vois. Ouais. Et je dis, vas-y, c'est bon, de toute façon, ça fait 2 ans avec l'autre meuf, t'as jamais... tu fais plus rien avec toi, de ton côté, c'est clair et net. Tu vois, d'un côté, c'était égoïste et je savais pas quoi faire. J'ai porté mes couilles, je suis parti quand même au stage en Normandie, parce que ma daronne, elle m'a obligé, en fait, j'ai pas porté mes couilles, c'est totalement... Ok. Ma daronne, elle m'a obligé. Je suis parti là-bas. Je l'ai esquivé pendant 2 semaines. J'ai réussi à esquiver. À la fin, j'ai porté mes couilles. Sauf que je lui ai dit, ouais, vas-y, on n'a plus rien à faire ensemble. Je lui ai dit que je l'avais peut-être jamais aimé. Ouais. Et ouais, là, je retourne. Très, du coup, gentil, et du coup, le coronavirus qui se ramène. Fin... Ah, c'est frais alors cette histoire. Ah, c'est une chance pour moi. Le stage, il s'arrête. Je rentre. Ah, moi, je suis content. Ouais, hey, gros, hey, j'ai entendu ça, j'ai entendu confinement, j'ai fait mes valises en regardant Daphné, oh putain, en rigolant. Lui, mais t'es quand même conscient que t'es un enculé, hein. Ouais, ouais, non, mais ouais, carrément, non, mais carrément. Ah, mais, t'es vraiment un enculé, toi. Et du coup, je suis rentré chez moi, et là, il y a une personne, genre une sorte de corbeau, je sais pas comment ils appellent ça, qui a parlé... à la fille que j'aime sur Instagram. On va l'appeler la fille que j'aime parce que j'ai pas envie de dire le prénom. Et ouais, parce que celle-ci, je veux pas, tu vois, celle-ci, je veux pas, on la salit pas, rien de tout ça. Ouais. Et en gros, en expliquant toute mon histoire, genre que ça fait 4 ans que je suis avec cette meuf-là, que quand je l'ai vue, plein de détails, tu vois, plein de détails en mode des trucs impossibles à savoir. Tu penses pas que c'est ta vraie copine qui t'a balancé ? Non, impossible, parce ouais. Que là, il y avait... Non, il y a rien. Non, parce qu'en plus, ce corbeau, il a envoyé un message aux deux, et après, ils se sont mis en contact. Ah oui, la sauce, ah oui, mais le corbeau, quoi. Ouais, le corbeau. Je suis un peu désolé pour toi, mais quelque part... Attends, c'est mérité. Mais au début, t'étais dépressif. C'est Daphné. Non, mais je suis pas dépressif. C'est Daphné qui aurait dû nous appeler dépressif. Non, mais je suis pas... Ouais, mais je suis pas... En fait, le délire, c'est que le gros problème, c'est que moi, j'aime, en fait... J'aime... Coralie. Ouais, Coralie. Ouais, Coralie, je l'aime de ouf, tu vois. J'ai jamais ressenti un truc comme ça. Pourtant, tu vois, j'ai 22 ans. Des copines, tu vois, j'en ai eu quand même. Ouais. Tu vois, je sais ce que c'est, toute cette merde. Enfin, non, mais tu vois le délire. Ouais, c'est carrément de ma faute. Mais moi, je suis venu là, pas pour me plaindre ni quoi que ce soit. Je veux juste savoir qu'est-ce que je pourrais faire. Ah. Mais est-ce que tu kiffes laquelle dans les deux? Bah, Coralie, lui. C'est Coralie. Eh, gros, la première, je t'ai dit, je l'ai jamais aimée, gros. Je me suis forcé comme un bâtard, gros. Ouais, mais c'est malsain quand même ce que tu fais. Ouais, c'est malsain, mais gros. Je me suis. T'es un enculé quand même, hein. Là, t'as fait perdre 4 ans une meuf. C'est. Moi, perso, une quelqu'un comme ça me ferait. En plus, moi aussi, j'ai perdu 4 ans. Moi aussi, j'ai perdu 4 ans. Ah non, arrête. C'est toi. La gueule de foutre en toi. Après, ça, c'est le genre de truc où les meufs, elles tweetent, elles vont sur Twitter, elles disent ouais, moi, mon gars, je lui ai fait avoir ses diplômes, trouver un travail, fait ci, fait ça, puis il m'a quitté. Ça, c'est le genre de petit truc. Non, mais quand j'ai dit ça, moi. On n'y a rien, tu vois, genre. Attends, ton micro, il a coupé. Ah merde. Vas-y, c'est bon. Ouais, j'ai dit, j'ai pas dit que je faisais rien non plus à l'école. T'étais juste un camp. Dehors, j'ai un taf, tu vois. C'est juste que le soir, tu vois, je préfère l'argent. Ton micro, écouter de la musique. Ouais, ton micro, il coupe un peu. C'est juste que le soir, je préfère rentrer, tu vois, faire un petit truc, et aller me promener et faire ma séance de sport. Tu vois, j'ai pas envie de faire mes TD. Et elle me motivait à aller faire. Tu et, vois, donc, là, et donc là, tu nous demandes quoi faire. C'est quoi récupérer la Coralie. Attends, toi, t'étais une larve qui saoulait à l'alcool, qui était défoncée. Non, t'abuses. Attends, laisse Yass parler. Non, il n'y a pas tout ça. Il y avait une meuf qui t'aimait,
qui te tirait vers le haut, qui dit bouge-toi le cul, trouve un taf, nanana, et toi pour la récompenser. Mais non, y a pas tout ça. Toi, t'es rentré. Toi, tu rentres dans le cliché direct. Arrête, on se connaît. Ça, gars, ça a raison. On se connaît entre nous. Non, 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 pas du tu tout. Tu vas pas me la faire. T'es déjà bourré, toi... garçon. Mais ça. Non, ouf. Mais en vrai, sans déconner, t'es c'est grave irrespectueux. Ouais, c'est grave irrespectueux. Mais bien sûr, mais bien sûr, mais ouais, carrément. Ouais, carrément. Bah oui. Oh, mais au moins, tu t'es confessé. C'est bien. D'accord. Mais sache que j'espère qu'en t'endormant ce soir, tu vas pas être fier de toi, mon garçon. Toi, Joël, t'en penses quoi, toi? Non, mais qu'il soit honnête, quoi, qu'il quitte la première. Tu lui fais perdre du temps. Mais c'est fait, c'est déjà fait, Joël. Tout a été fait. Eh, y a pas une perte de temps, puisque j'ai pas été un bâtard avec la première. Eh, faut savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si j'ai été un bâtard en amour avec elle, avec la première, par contre, je lui faisais tous les cadeaux du monde, je la faisais voyager. Je ouais, lui ouais, par contre, tu l'as trompé, quoi. C'est méchant. Ouais. Ça vaut rien. Ouais, ça vaut rien, mais elle a peut-être été heureuse quand même, tu vois. Bah non. Bah ça va, du coup, alors. Bah en fait. Ok, d'ailleurs, bah attends, bah, bah en fait, je t'ai trompé 50 milliards de fois, mais tiens, je t'ai offert Call of Duty Warzone. Non, non, non. C'est pas ça. Moi, je peux pas te soutenir, là. Je t'ai ramené à la base des loisirs de Sergi, donc ça va, tu vois. Je rappelle. Le saut de la palmière. Oh, arrête. En vrai, pour un peu finir, parce qu'on tourne un peu en rond là, bah moi je te conseillerais bah, déjà la première, bah laisse-la tranquille, voilà, dans un premier temps. Et dans mais moi je l'ai laissée tranquille. Non, je l'entends. Et la seconde, vu qu'elle a appris ça, elle aura plus jamais confiance en toi et vous pourrez difficilement partir sur des bases pour construire un truc solide. Donc moi je te conseillerais, que ce soit pour toi ou pour elle, de passer à autre chose en fait. C'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Ouais, c'est ce que je pensais aussi. Bon, bah, on arrive à la même conclusion. Alors, frérot, t'as des dédicaces? Ouais, à la ruche. Ok. Ah, ok. Bah, dédié à la ruche, je sais pas si bonne soirée, frérot. Dédicace à la ruche. Et à la calvasse de Yas. Et à la calvasse de Yas, et salut. Mais oh, tu vois, même la ruche, j'en suis sûr, c'est le nom d'un bar. Bah oui, j'en suis sûr et certain. Tu veux que ce soit quoi d'autre? Tu vois, mais je t'ai dit, il se fout de ma gueule en disant qu'il était bourré défoncé. Mais j'en suis sûr que ce soir, il était au moins un des deux. Ah ouais, mais comparez plus Bruce Granek avec ce gars, hein. Bruce Granek, c'est un chic type. Non, c'était vraiment une ordure, quand même. Après, tu vois, on a tous, tu vois, des histoires où, parce que, comment dire, genre, dans ces lives, tu vois, dans nos histoires de nos vies, on a tous, à des moments, fait des actions de trou de balle, tu vois. Des actions ouais, de trou de balle qui se font pas vis-à-vis de personne. Personne est blanc comme neige, tu vois, même si, tu vois, c'est un peu la mode de le faire croire et c'est très mal vu si on apprend des dingueries sur toi, quelque chose que t'aurais pu faire et tout. Même moi, j'ai fait des dingueries à des moments, tu vois. Après, moi, je trouve, et je suis sûr que si vous saviez des choses que j'avais fait, tu vois, vous me détesteriez parce que j'en suis pas fier, j'ai fait des conneries aussi dans ma vie, tu vois. Mais la façon dont il le raconte, au début, je pensais qu'il avait des remords alors. En fait, c'est qu'il est fier. Enfin, j'ai l'impression vraiment qu'il s'en... Non, franchement, vas-y, dites maintenant là s'il y a un truc que vous trouvez ça honteux et vous regrettez maintenant. C'est-à-dire? Genre, je sais pas, vous avez une action que vous avez faite dans votre vie en étant petit ou je sais pas, que vous regrettez maintenant et que vous avez jamais osé le dire. Ouais, vas-y, moi j'ai une action. Moi aussi j'en ai une, moi. Moi j'ai une action où j'ai été un énorme bouffon, moi. T'as fait quoi? Vas-y, dis. Je la raconte. J'avais 12 ans, j'étais en 6ème, d'accord? Et il y avait une meuf dans ma classe, elle me plaisait un truc de ouf, tu vois. Genre, elle s'appelait Mélanie, c'était une meuf de Barbade, tu vois. Genre elle me plaisait. Elle me plaisait de ouf, tu vois. Bon, ouais, j'avais 12 ans, j'étais un gamin, frère. Et elle sortait avec un gars de ma classe qui s'appelait Dimitri, c'était un gars que je connaissais. Et à un moment, tu vois, moi j'étais jaloux, tu vois, j'étais pas content qu'ils soient ensemble. Et donc, du coup, je suis allé voir la meuf en question et je lui ai dit, ouais, il a dit ça sur toi, alors que c'était pas vrai. Et donc, du coup, les deux ils se sont quittés à cause de moi. Oh le bâtard. Et j'avais 12 ans, j'étais un bâtard, action de bâtard. Ouais, t'es avec le recul, bien sûr, je le regrette, je suis un connard, tu vois. Et de toute façon, après, ils se sont remis ensemble, donc ça va, tu vois, ça a un peu compensé. Je me dis que j'ai pas été le total fils de pute, mais sur le moment, une merde finie. Non, moi, y a un truc que je regrette vraiment. Allez. Là, c'est, tu vois, je me dis, je suis vraiment un sale fils de pute, tu vois. Ouais. Franchement, je le regrette, et le faites pas parce que c'est une honte. Tu sais, il y avait FIFA Ultimate Team. Ouh là, c'est récent. Ah là, attention, ouais. C'est quoi déjà, ça? Déjà, le truc, c'est que c'est récent, mais après, c'était FIFA 12, moi. C'était FIFA 12-13. Ok. Et genre, c'était quand c'était. Moi, j'étais en seconde ou en troisième, je sais plus. Et tu sais, et là, et du coup, la carte bleue de mon père est enregistrée sur la console.
Et tu sais, en fait, c'est trop addictif. Ouais. Et fut, pour les packs, c'est trop addictif. C'est vraiment une maladie, tu vois. Donc, toi, t'as été le gosse qui a pris la carte bleue Judas. Et là, j'ai été le gosse qui a pris. Je me suis dit, vas-y, bon, 5 euros, il va pas le voir. Puis je voyais qu'il le voyait pas. Donc, 10 euros, 20 euros, c'est monté jusqu'à 300 euros. Oh là là. Et t'as eu 300 euros en moins. T'as cramé ou quoi? Non, en plus, j'ai eu que de la merde. Mais attends, tu crois quoi? J'ai eu que de la merde, mais du coup moi j'ai été malin sur FIFA 14, FIFA 15. Je me suis inscrit sur les forums JVC. Parce qu'avant tu pouvais faire des échanges entre cartes et acheter des crédits sur les sites du crédit. Après il y avait les échanges. Ouais. Du coup moi je me suis inscrit sur les sites sur JVC. J'ai dit ouais j'échange telle ou telle carte. Sauf que moi j'ai arnaqué les gens et du coup moi j'ai acheté sur les sites de crédit. Du coup là j'avais une équipe de fils de pute. Puis après ils ont mis la fourchette des prix. Ah ouais, mais t'es vraiment un sale enculé en fait. Ah ouais, je suis un sale enculé. Hein. Mais là, pour le coup de la carte bleue, je regrette. Et toi, Joël? Et même pour les arnaques et tout, je regrette. Non, mais la tête derrière là, j'ai pas le souvenir d'avoir fait une dinguerie à quelqu'un en fait. Non, mais tu sais, une petite action de bâtard à un moment quoi, tu vois. Les actions. Non, ouais, moi, c'est du vieux truc. Bon, je sais même pas si. Non, je. Bon, genre, allez. Quand, par exemple, des fois, je t'ai une meuf. Non, si, j'en ai une. J'avais calé une meuf. Ok. J'avais calé une meuf et en fait la meuf c'était vraiment par défaut, c'est parce que la meuf que je voulais calé à la base elle était pas dispo. D'accord, donc et c'était. Une meuf qui me chauffait, mais à la base je disais vas-y va te faire enculer, tu sais. Enfin, elle me chauffait, mais je lui disais pas casse-toi non plus. Mais je lui disais pas oui. Et c'était la meuf de confort. Ouais, voilà, c'était. Voilà, mais tu sais, ça faisait plus ça elle. Tu vois, c'était pour les styles, c'était cool. Mmh. Et un jour on s'est vu et tout, et donc elle était pas. Je l'ai vu, on s'était capté, tout à l'hôtel. Je l'ai baisé, le matin, je vois, elle dormait, je me suis barré. Sans rien dire. Je me suis barré. Comme un lâche. Non, mais après, j'ai menti. J'ai dit, ouais, j'avais des trucs à faire, machin. Mais en fait, je m'étais barré parce que quand j'avais les couilles vides, j'ai réalisé qu'elle me plaît pas du tout. Aïe, 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 aïe. Le fabuleux jutsu des couilles vides. Sinon, j'ai pas. Ah ouais, non, mais ça, mais du coup, elle me carotte trop. Hein. Ça m'arrive trop, ce genre de truc. Les meufs, je les trouve fraîches. Et après, je fais vraiment, en fait. Oui, j'ai payé l'hôtel. Il a payé l'hôtel où j'ai. Ah, Joël, lui, il envoie des billets de train, des hôtels très très vite. Ah, mais moi, je suis honnête, on m'en cache pas. Moi, carrément, je prends des trains pour aller. Et tu prends même la voiture pour aller jusqu'à Séville. Ah, ouais, ça, c'est le restart. Mais ouais, mais carrément, j'ai déjà pris des trains. Je prenais des tours dans des trains dans des villes. Dans des villes noires. J'arrive en cachette, je mets ma casquette capuche. Hôtel Tonight. Oh, les Hôtel Tonight, ça c'est Zach. Merci, gros. C'est toi qui me. Rappelle-toi la première fois que tu m'as. On a fait le. Je devais être calimeux. Rappelle-toi. Ouais. C'était toi qui me l'avais réservé l'hôtel. Ouais, c'est vrai, je m'en rappelle. Tu te rappelles? Et ouais. Ayez tous un ami comme Zach, hein, les gars. Qui peut vous. La chambre. D'ailleurs, ah, vas-y, j'arrête, je veux pas lâcher le détail. Je t'ai balancé un bail noir. Hein. Ah ouais, la chambre d'hôtel, elle était magnifique. Les gars, Hôtel Tonight, tu peux payer par PayPal, CB, tac. Ouais, en fait, c'est des chambres d'hôtel. Il n'y a pas d'OP, hein, quand je vous le dis. C'est des chambres, ouais, non, c'est des chambres d'hôtel avec des bêtes de nuit. En fait, c'est des chambres qui sont invendues, en fait. Donc, du coup, en fait, elles sont moins chères que sur plein d'autres sites. Et en fait, plus vous achetez, plus vous avez des réducts et tout, c'est énervé. Et si vous utilisez le code ZHADAD5, ZHADAD5, ouais, vous mettez dans le chat, et ben, vous avez 50 euros de réduction sur à partir de 130 euros. Ouais, une nuit à 130 balles, vous l'avez pour 80. Voilà, comme ça, c'est comme ça. Je peux aussi en profiter. C'est lourd, l'hôtel, la chambre. Ah ouais, moi à chaque fois que j'ai réservé dessus des chambres avec jacuzzi, des trucs. Le code dans le chat. Moi, mon terre-terre à Lyon, la chambre que je réserve toujours, vous irez voir, c'est Grand Hôtel d'Hétéro. Grand Hôtel d'Hétéro, il y a petite piscine en bas, genre double bassin, petit, jamais plein, mleh, gros. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Bon, on va passer à une autre histoire, c'est parti. Vas-y. Prends le mec qui joue parti Joël. Je le garde pour la fin, Bonsoir. Bonsoir. Ça va ou quoi? Bonsoir. Ouais. Ça va. Wow. Pardon. Ok. Eh, ça me fume, j'ai dit Grand Hôtel d'Hétéro, et dans le chat, il y a tous les gens avec 6-9 dans leur pseudo, ils disent « Ah, tu connais !» Bon, ça va frérot, tranquille, t'as passé une bonne émission, t'aimes bien là? Ça va, lourd, franchement, va, ouais, lourd. Ouais, okay. T'aimes bien. Ah, ça commence déjà à me banner alors que j'ai rien dit encore. Non, je sais même pas qu'est-ce qu'il y a, j'ai rien dit. Joël, t'as vraiment... Ah, j'ai une boîte débilos. Non, mais qu'est-ce qui se passe que t'es... Eh, mais vanne-le un peu aussi, Joël. Dis qu'il a 30 ans et tout. Ouais, n'hésite pas à lui rappeler qu'il est exceptionnellement vieux. Ans, c'est lourd.
C'est très très vieux. Comment ça, c'est lourd, 30 ans? Vous allez avoir 30 ans, vous allez voir, je vous dis. Bon. Et moi j'ai même pas encore 25 ans. Raconte-nous, on s'en fout de toi Yass, raconte-nous. Ah. Pardon. Merci. Raconte-nous ton histoire en quelques mots frérot, on va voir si on a envie de l'écouter. Quelques mots? Ouais. Ok, lycée, chiasse, un caton, et je chie dans les toilettes des profs. Meuf. Et cul à l'air parce que je me retrouve dans une situation assez indépendante. Ouais, c'est quoi ces mots-clés? Ils ont rien à voir les uns aux autres. C'était la soirée du caca ce soir. Ah ouais. Non, mais je me suis dit, comme il y avait une petite histoire de caca, je me suis dit pourquoi pas venir raconter la mienne, elle est mignonne. Bon, bah, il y a une majorité de oui dans le chat et pour ma part, c'est un oui. Vas-y, ouais. T'écoute. Ok, donc j'étais au lycée, ça remonte à 2-3 ans et en gros, bon, par contre, juste avant, il n'y a pas de chute. Bon, c'est pas. Pas de soucis, raconte-nous. Pas de chute, c'est okay. Donc, j'étais au lycée et mal de ventre de ouf, en mode je peux pas me retenir. Donc, moi je peux pas chier dans les toilettes publiques, c'est trop, j'aime pas ça. Ah ouais? Du coup, ouais, moi y je peux pas. Y'en a plein, ils ont des blocages sur ça, moi je m'en bats les couilles. Ah, moi je peux pas, ouais. Du coup, je vais à l'infirmerie, je me dis au pire, c'est pas grave, elle me renvoie chez moi, ça a 2-3 minutes, à pied ça va. Ouais, pépère. Du coup, je vais à l'infirmerie, je commence à parler avec elle et en fait, y'a monsieur qui sort, tu vois. Tu vois, là ça se. Ouais, c'est monsieur carrément. Et là, ouais. C'est un bon morceau. Monsieur qui sort, et sauf que monsieur est sorti, tu vois. Okay, et ouais. Même en serrant les fesses, tu vois, c'était genre, comme je disais, c'était genre du lait caillé, tu vois. Là, c'était du lait caillé, je pouvais pas retenir, tu vois. Ah ouais, la diffusion était noire. Ah gros, c'était compliqué de se retenir à ce moment-là. Ok. Du coup, elle me voit à ma tête que ça va pas bien. Elle me dit, tu vas aller aux toilettes? Je lui dis, ouais, s'il vous plaît. Elle me dit, bah vas-y. Je dis, ouais, mais toilette publique, c'est pas trop mon truc et tout. Je dis, je pourrais pas. Elle me dit, bah les toilettes des profs. Je dis, ok. Ouais. Elle m'emmène aux toilettes des profs des mecs. Je me suis dit, c'est bon, je vais chier Pépouze tranquille en mode, y'a rien. Ouais, tu vas envoyer du la coup, sauce. Quoi. Bah voilà, et elle me dit que c'est occupé. Du coup, on m'emmène dans les toilettes des profs, mais meuf. Je me dis, ah ouais, galère. Je dis, vas-y, c'est pas grave. Elle est consciente quand même. Hein. Ouais, ça va, elle est gentille. Donc j'arrive, je me dis, c'est bien, j'ai mes toilettes privées, genre. Donc j'ouvre la porte, bon, y a l'entrée. J'ouvre la porte des toilettes, je rentre dedans, je ferme. Et là, je déboule. Je déboule tout. Franchement, ça puait le mort, c'est incroyable cette odeur. Ouais, les toilettes des meufs, ça pue. Hein. La légende des meufs, là, elle a un sacré truc. Hein. Non, c'était pas ça, c'est moi qui puais là. Je puais le mort, je chie un truc. Ouais, ouais. C'était pas ça. Je chie un truc, c'était dégueulasse. Une odeur de ouf. Et je me dis, c'est bon. Je chie. Et d'un coup, j'entends quelqu'un qui rentre. Je me dis, wow, ça se trouve, c'est la CPE, on va prendre ça. Je tire les fesses, je fais alors, coupe la respiration, ouvre la porte, elle voit que c'est. Elle ouvre la porte, elle me dit quoi, du coup, elle voit que c'est occupé, elle sent une odeur, je l'entends, tu vois, genre, je fais. Ah ouais, ça... oh, putain, elle fait comme ça, tu vois, je fais là-haut. Attends, elle a fait. Ah quand même. Ouais, ah, quand même. Ouais, mais vraiment, des fois, j'avais la honte de ma vie. Genre, du coup, je l'entends, elle reste 2-3 minutes, je me dis, j'espère qu'elle va pas rester, je sais pas, elle se lave les mains, elle repart. Je fais, c'est bon, je suis tranquille, il peut rien m'arriver maintenant. Truc de ouf, les toilettes, ils s'éteignent. Oh. Mais c'est pas un truc automatique, genre, on les rallume comme ça. Ouais, bien sûr. Moi, je suis en train de chier. Du coup, bah, je me lève, j'ai le fuite en bas des pattes. Oh, et du coup, ouais, j'ai la merde au cul. Et du coup, je commence à me lever, à marcher tranquillement. Donc, j'ai la bite à l'air, cul à l'air, avec un peu de merde aussi. Et du coup, je commence à ouvrir la porte. Et là, je suis dans le noir, tout ça. Et j'étais en mode mission Splinter Cell. En mode, je dois allumer la lumière, sinon, je suis dans la merde. Je commence à courir dans les jusqu'à l'entrée. À ce moment-là, s'il y a quelqu'un qui ouvre, c'est mort, je suis niqué. Oh mon dieu. J'allume la lumière, je me retourne. Et quand je me retourne, je vois le miroir. Tu vois, je fais waouh, le délire. Je me vois cul nu, bite à l'air, avec de la merde. Dans le shot des profs. Oh là là. C'est ça. Et là, je me dis, mauvaise vision. Je retourne dans les chiottes, je ferme la porte, je finis mon affaire. Je me dis, oh putain, oh, j'étais sauvé. À la fin, l'infirmière, elle arrive, elle ouvre la porte. Elle me dit, ah oui, bah là, ça pue bien quand même. Hein. Je sais pas ce que t'as fait. Frère, déjà, je suis en transpiration. J'ai presque. J'ai fait un truc. J'ai chié. Frère, c'était un combat pour chier. Et je crois, je fais, oh, vas-y. Tu sais, le genre de commentaire. Alors, on s'est donné. Du coup, elle me dit, t'as fini. Du coup, t'as fini. Du coup, je dis, oui, j'ai bientôt fini. Du coup, je fais quoi? Bah, je prends mon caleçon qui était un peu taché, quoi. Du coup, je le prends, je le mets en boule, jette dans mon sac en mode bombe. Et je prends mon sac, bon, je remets mon fut, je me barre. Ah ouais, mais moi je l'aurais mis en quarantaine mon caleçon, moi. Comment ça, tu l'as remis dans ton sac? T'as senti la merde dans ton sac? Tu veux que je le mette? Ah ouais, bah frère, j'ai essayé de. Il y a des parfums, des odorants, de tout. Ah bah tu le jettes à la poubelle, cousin, c'est qu'un caleçon.
mais il y avait pas de poubelle là-dedans. Non mais c'est les toilettes dans, des meufs, j'ai pas acheté un caleçon dans les toilettes des profs des meufs. Non mais dans le lycée, après un peu plus tard dans la journée, tu vois. Ah ouais, bah oui, en plus il y a les caleçons Léopoldo, ils sont à combien Joël déjà les caleçons Léopoldo? 2€ les 3. Où? Au marché de Choisy le Roi là. Voilà, 2€ les 3, tu vois, ça fait 66 centimes le caleçon. Il y a la marque Léopoldo et Mumo. U-O-M-O. Ouais, eux ils sont connus. Ouais, à Choisy le Roi là. Je vois. Bah putain, mais mec, ton histoire là de j'ai chié dans... Eh hey, mais c'est radio merde ce soir, c'est quoi ça? Je sais pas moi, j'ai arrivé à la radio, j'ai vu une petite histoire de merde, je me suis dit pourquoi pas, j'ai raconté les millions celle-là. Ouais, je suis mort. Ouais, les millions de celle-là, on est où là? Ah, les millionnettes. Bah écoute, on est au bistrot là, c'est quoi ce bordel? En plus, là où je comprends, tu vois, qu'il y en a qui aiment pas chier dans les chiottes publiques, et genre moi, quand j'arrive, genre, dans un chiotte qui est grand, qui a de l'espace, qui est propre, ça sent bon, mec, et que moi j'ai la crotte. Tu fais ton meilleur match. Gros, tu sais que moi carrément, il y a des moments, mais je me mets torse nu, gros. Et là, gros. Ah ouais. Un mec qui avait dit sur Twitter, genre, quand tu te mets torse nu, ça veut dire que le caca est dur à faire sortir. Ah ouais, mais mec, gros, tu sais qu'il y a des moments, je me mets torse nu, les deux coudes sur les genoux, comme ça, gros. Et là, j'en vois, gros. Vraiment, je me cale en position. C'est comme quand t'accouches, gros. Concentré, vraiment. Mais tu sais que des fois, torse nu, comme ça. Ah oui, veines et gouttes de sueur qui parlent, gros, c'est trop marrant, sérieux. Bah écoute, merci de ton témoignage. Si vous voulez, j'ai un petit bonus rapide. J'ai un petit bonus rapide pour... c'est pas histoire de caca. Comme je me suis dit, pour rappeler un peu histoire Radio Sex, un truc rapide. C'est genre, en gros, j'étais chez moi, genre, j'habitais en cité dans mon bâtiment, j'habite au 5e. Attends, tu vas raconter des histoires, là? Non, juste j'ai raconté un petit truc rapide, un truc rapide, ne vous inquiétez pas. Vas-y. Et du coup, il se passait quoi? C'est que moi, je captais une meuf l'après-midi, j'avais pas mon père de la journée. Et du coup, je suis au 2-3e et genre, je vois la meuf, on commence à se chauffer, je lui mets des doigts et à mouiller de ouf. Et le problème, c'est quoi? C'est que dès qu'il y avait quelqu'un qui passait, moi, j'enlève ma main en mode on parlait normal. Ouais. Sauf que là, la doigté, elle mouille et tout. Et il y a quelqu'un qui rentre, j'entends. J'enlève ma main, on était vers le 2-3e. Il y a mon daron qui commence à monter les escaliers. Donc il me voit avec la meuf, il me dit ça va fils, je l'avais pas vu, du coup il me serre la main. Oh là, je serre la main avec la main pleine de t'as capté. Quand je suis remonté chez moi, mon père m'a dit c'était quoi, pourquoi ta main était mouillée comme ça? Je lui ai expliqué rapidement et tout. Attends, tu lui as expliqué pour de vrai la situation? Ah, je lui ai dit. Mais tu vois, il m'a dit, t'aurais pu me dire, je t'aurais passé à la main, mais il m'a dit, frère, ça mais va. Moi, je raconte ça à mon père, il m'envoie une gauche, t'es un ouf, frère. Attends, mais mais c'est quoi cette histoire là? Comment ça ton père il l'a bien pris? Mais c'est... Non, il l'a pas bien pris, mais... Il l'a pas mal pris. Dans cette configuration, ne pas mal le prendre, ça veut dire bien le prendre, tu vois ce que je veux dire? C'est très chelou. Bah écoute, merci de ton témoignage, t'as des dédicaces peut-être? Non, même pas. Non, pas de soucis. Bah écoute, passe une bonne soirée, frérot. Ah, passe une bonne soirée. Salut. Putain, le daron, il devait être comme ça. Pourquoi ça sent l'effaceur? Attends, par contre, ça choque vraiment personne qui serre la main de son daron. Ouais, ça par contre, j'avoue que serrer la main du daron, ouais. Je sais pas où on est, mais. Putain, mais son daron il lui vend des deux ou quoi là? C'est. Son comment frère, ça il serre la main de son daron? On est où là? Son frère il lui vend. Son daron il lui vend des 20 balles, gros. C'est... Comment ça il serre les mains de son daron? Ah ouais, mais j'avais pas capté en plus. J'avais pas tilté sur le moment. Attends, moi mon daron, mais je lui tends le bras, mais il me fait, mais à quoi tu joues, fils de pute, va, et vas-y, casse ta mère, casse-toi. Hey Yass. Non, mais. Non? Moi je pense, et je me permets d'instaurer ça comme ça, je sais pas si Joël est d'accord ou quoi. Ouais. Je pense que pour la semaine prochaine, la radio de la semaine prochaine, il faut que tu te rases le crâne et qu'on voit le résultat de l'opération. Non, dimanche... je vais pas le faire. La radio est à 22h, faut que tu te rases le crâne demain, la semaine prochaine, dimanche 18h. Non, je ne vais pas le faire. Et qu'on fasse le reveal ici même en live. Non, je ne vais pas le faire. Si tu te fais la blasée, gros, moi j'ai vu tes photos Insta, la photo. Ouais, les casquettes elles cachent, mais gros, ça gagne du terrain hein, là en haut, là sur les côtés. Ouais, ça gagne du terrain, mais là mes cheveux ils sont hyper longs, c'est inacceptable. Bah ouais, je sais, il faut que tu rases. Ouais, moi je pense que j'ai peur en fait que si je me rase, ça repousse pas comme mais il faut. Bien sûr que si, ça repousse, en plus ça repousse même plus vite quand tu rases totalement. Ouais, mais je sais pas, je... Non, là, tu cherches des excuses. Là, excuse-moi, là, t'es dans les excuses. Ah ouais, bah ouais, je cherche des excuses, j'ai pas envie de le faire. En plus, t'es pas dans les excuses, t'es dans les excuses de merde, tu vois, c'est pas pareil. J'ai pas du tout envie de le faire, moi. Moi, je pense qu'il faut que tu le fasses. Le chat, vous pensez qu'il faut qu'Yass le fasse ou pas? Moi, personnellement, c'est... Bah oui, ils vont pas répondre, oh non, ça me ferait chier qu'Yass le fasse. Bah oui, non, mais après, c'est un truc qui...
Moi, je pense qu'il faut que tu le fasses, gros. Non, mais de toute façon, c'est un combat contre moi-même. Parce que même moi, je me dis, j'ai envie de le faire. Et en fait, ma bonne conscience me dit, non, le fais pas, c'est con. Non, mais franchement, c'est pas encore dramatique. Non, mais c'est pas dramatique, juste ça me fait chier, en fait. Ouais, non. Bon, on essaiera de trouver, on essaiera de trouver un petit jeu ou quoi, à te mettre un gage, ou si tu perds, c'est ça qui tombe. Vas-y. Bon, on a une dernière histoire, je crois, pour ce soir. On en a même deux, mais vas-y, on va voir celle qu'il y a. Parce qu'apparemment, là, ça a l'air d'être un peu sombre, donc on va le déplacer tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Ça va ou quoi? Wesh. Bonsoir. Ouais, il y a Merci Joël dans ton blaze, là. Ouais, ouais, c'est ça qui est drôle. Ça a l'air de mettre Joël dans la sauce, tu vas bien? Non, en vrai, ça met pas du tout Joël dans la sauce. Ça va, et vous, tranquille? Ouais, ça va, nickel, tranquille. Nickel. Bah écoute, je te laisse nous raconter les prémices de ton histoire. Raconte-nous ce que tu... Qu'est-ce qui te ramène? Ok. Du coup, je vais te dire quelques mots-clés. Du coup, genre ex, longue relation, photo confutée sur les réseaux. Et Joël. Et Joël, ouais, c'est Joël, c'est le bonus ultime. Okay. C'est quoi, wesh? Ex, longue relation, photo qui ont fuité et Joël. Vous voulez écouter? Moi, j'ai envie d'écouter juste parce qu'il y a Joël, gros. Non, non, en vrai, Joël, t'as été le sang de la veine. Oh. Ah, ok, vas-y. Aïe, aïe, aïe. Voilà, petite histoire qui va me mettre en avant, ça me plaît. Je t'écoute. Moi je pensais. Attends, moi je pensais que ça allait être. Attends, le chat. Moi je trouve que c'était un mec, j'avais taclé sa meuf. Je me suis dit putain, c'est ce que j'ai pas fait exprès. Il y a quand même pas mal de oui. Allez, vas-y, on t'écoute, frérot. Ouais, vas-y. Okay. Moi je vais tout écouter. De toute façon, l'histoire elle est courte. Vas-y. Donc en gros, je suis sorti pendant 2 ans et demi avec une meuf. Mm-hmm. Genre, on s'est séparé un peu pour de la merde. Genre, c'était un délire. Ouais, go séparé maintenant, content qu'on est encore en bonne relation et tout. Bref, de la merde. Et du coup, on se parlait plus du tout. Et en fait, je viens de Suisse. Okay. Et du coup, la fête nationale en Suisse, c'est le 1er août. Et je... 1er août, j'étais à un spot et il y a une meuf qui débarque vers moi. Et elle me dit, ouais, salut et tout. Et je n'ai pas capté. Et en fait, c'était elle. Et elle me demandait si vous voulez qu'on se reparle. Je suis toujours là, c'est quoi ce bourbier là? Elle est venue de elle-même quand elle t'a vu IRL pour te demander pour reprendre contact. C'est ça. Et en plus de ça, c'était un spot que. Genre, j'habite dans un petit village et genre, le spot, c'est moi qui lui avais fait découvrir. Du coup, je suis genre, bon, là, qu'est-ce qui se passe là? J'ai l'impression que c'était un petit peu prévu tout ça. Et du coup, genre. Je suis genre, vas-y, moi je m'en fous. Bref, on continue à se parler quand même, on se reparle, on se revoit. Et pendant tout le mois d'août, du coup, bah, je la voyais et c'était à base de. On se revoyait, je dormais chez elle, on recouchait ensemble et tout. Ouais, je vois la marmelade d'ex, on va appeler ça. Voilà, exactement. Du coup, voilà, c'est un peu pour la mise au contexte. Et du coup, bah, un matin, classique, dans mon lit, je sors mon phone et je vais sur Twitter et je suivais une page de nudes. Okay. Et genre, si t'en suis une. Et bah, genre, elle se retweet toutes entre elles et du coup, t'envoies plein. D'accord. Ouais. Attends, mais toi, t'es un coquin, toi. Ça suit des petites pages de nudes, là. Non, mais c'était. T'es abonné à des OnlyFans, toi. Non, non, même pas. Non, mais c'était. Comment ça s'appelle déjà? C'est genre vraiment le truc que tout le monde connaît, là. Genre, Yanou, là, il fait que retweet des trucs comme ça. Bref. Lui, il doit tirer du boîtel, là. Voilà, exactement. Moi, là-bas, je retweetais ça après les marques. Elles m'ont dit « Arrête, t'as des jeunes qui te suivent !» L'argent, il y a eu raison. L'argent, t'as validé. Et donc? Exactement. Et du coup, là, t'en suis une, et entre elles, elles se retweetent tous. Et du coup, je descends dans la tête, et d'un coup, j'en vois une. Je fais « Tiens, c'est marrant, ce corps, il me dit vite faire un truc. Genre, ces petits seins, là, je les connais. » Et j'étais genre « Bon, ouais, c'est peut-être le hasard et tout. » Et je regarde encore mieux, je fais « Vas-y, la couverture, en plus, c'est la même quand même. » Et du coup, je check, je tilt, et en fait, c'était carrément deux photos de mon ex qui étaient posées sur Twitter. Et genre, c'était une page quand même qui avait genre 30 000 abonnés, et il y avait genre des vieux espagnols qui disaient « Ouais, t'es trop bonne » dans les commentaires. Et moi, j'étais genre pas bien, j'étais genre « Là, qu'est-ce qui se passe ?» Du coup, genre, je lui envoie un message, genre « Ouais, t'as envoyé des nudes à qui ?» Et du coup, elle me dit « Ouais, personne et tout, pourquoi ?» Et du coup, je lui envoie, je fais « Ouais, t'as envoyé ça à qui ?» Et finalement, bah, c'était vraiment elle, il n'y avait plus de doute. Et c'est pour ça que Joël débarque maintenant, parce que du coup les photos... Attends, l'histoire de Joël maintenant du coup. La rue triomphale, bien entendu. C'est ça. Du coup, en fait, les photos, c'était... Elle les a envoyées à la page ou elle les a envoyées à quelqu'un qui les a fait fuir? Non, justement, ça a été envoyé à un mec, et genre le type a dit genre « Ouais, c'est ton compte, il a dû être piraté, ton compte Insta, du coup on a récupéré les photos. » Ouais, ça c'est l'excuse bidon, pour moi, il a clairement fait fuiter, c'est trop de balles. Okay. Et du coup, en fait, moi j'avais envoyé un message à la page, mais la page j'avais rien fait. Ça me dit quelque chose. Bah, j'espère bien. Et du coup, j'avais envoyé un message à Joël en lui disant, parce qu'il avait quand même une petite commu. Je connais la personne sur la photo. Est-ce que tu peux faire un truc pour supprimer des photos? Et justement, Joël avait envoyé un message à la page. Et 2-3 heures plus tard, les photos elles avaient disparu. Et du coup, bah, voilà, j'en profite encore pour te remercier, Joël. Ah, parce que oui, je m'en souviens. J'avais
menacé là, le mec, j'avais dit ouais. Non, j'ai pas dit je vais te casser la gueule parce que c'était pas. J'ai dit au compte, c'est des photos qui appartiennent à quelqu'un. Si jamais vous faites ça, on peut porter plainte ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, c'est et le mec, difficile. Et le mec il m'avait pas répondu, je crois. Ouais. Je crois qu'il m'avait pas répondu et la photo il l'avait supprimée. Je m'en souviens. Il y avait deux photos. Ouais, c'était deux avec photos. Avec ouais. Filtre, avec deux filtres. Je m'en rappelle. Non, c'était pas des filtres. Mais en vrai, c'était clair. On voyait pas la tête et on voyait juste, genre, c'était juste des seins et le corps. Mais on voyait. Ouais, je m'en souviens. Et ah, putain, mais ça fait longtemps. Ça fait. Bah, c'était cet été. Ah ouais, mais Joël, t'es. Quoi, c'était l'été dernier. T'es vrai frère, ouais, Joël. Si. Et parce qu'en fait, vu que t'étais un petit con, tu m'avais raconté comme t'étais un petit con, il voulait pas t'écouter. Ouais, j'avais envoyé plusieurs messages et vraiment, ils sont. Ouais. Et moi, direct, je suis venu bim bim avec 100 000. Ouais. J'avais moins de 100 000. Je crois que t'avais genre une trentaine, 30 000 à peu près. Ouais, c'était. Ah non, l'été dernier, j'étais à plus. Excuse. Ah bah, c'est pas important. Oh, le ouais, j'avais dit au compte, j'avais mis les liens, j'ai dit supprimer ces photos, sinon on porte plainte en fait. Bah écoute, Joël, je tiens à dire bravo à toi. Cette histoire, j'aurais jamais su. J'avais plutôt en coin de ma tête, je m'en rappelle, oui. Ah ouais, je m'en rappelle. Il y avait deux photos avec un filtre chelou. Maintenant, c'est toujours pas comme elles ont fuité les photos. Et voilà, ça dégoûte. Ouais, mais j'ai une question. Ma question. Vous vous êtes séparés par rapport à ça ou... Non, on s'était séparés genre en avril. Ah, d'accord, bien avant. Ok, d'accord. Et ouais, et genre au mois d'août, justement, on s'était revus. Et genre, vas-y, quand même, 2 ans et demi, c'était long. Et du coup, moi, j'avais encore des trucs pour elle, tu vois, je la kiffais encore. Ah, et du coup, de voir des photos comme ça, genre, vraiment, ça m'a détruit. Ah, ça t'a mis pas bien. Quand je kiffe. Moi, la dernière fois que j'ai vraiment kiffé une meuf, c'était quoi? C'était en 2016. J'ai vraiment kiffé. Et gros, on s'était séparés, frère. Il y a des mecs de ma tête, tu savais que je sortais avec elle, qui la draguait sous mes yeux, frère. Je voulais brûler. Bah non, il savait que t'avais, tiens. T'avais envie de tout casser ou pas? Ah mais... Après le problème c'est que ces mecs là, c'était des mecs que je suivais, mais c'était pas vraiment mes potes de ouf, tu vois. Donc je pouvais pas leur aller en leur DM, leur dire mon gars, qu'est-ce que tu fais, tu vois. J'étais obligé de rager dans mon coin, tu vois, je restais calme, mais je pétais un fond. J'avoue. Bah écoute, merci Frérot d'être venu raconter l'histoire. T'as des dédicaces, un truc à ça? Merci à vous. Ok, bah merci à toi d'être venu. Dédicace à vous les gars. Gros big up à Joël encore, merci mec. Dédicace à Joël. Et Yass, tu veux pas faire la coupe à Titi Henry là un peu, vite fait? Non, je réfléchis. Ne mettez pas le couteau sous la gorge. C'est bien, merci. Bah écoute, passez bonne soirée, Frérot. Bonne soirée à vous les gars, ciao. Radio Sex, tout ça, il y a eu des histoires, moi. Hein. C'est vrai qu'il y a eu des histoires. Je t'ai raconté l'histoire du 1er janvier, là. Oula, c'est quoi cette histoire du 1er janvier? Une histoire noire, mon frère, parce que j'ai envie de penser. Vas-y, dis-nous. En gros, le 31 décembre... Attends, ton micro, il est un peu coupé, rapproche-toi. Ah ouais, tu m'entends bien, là? Ouais, je t'entends bien. Le 31 décembre 2019, en gros, moi, j'étais grave dégoûté, parce que, tu sais, je voulais fêter les fêtes à... chez mes parents, mais j'ai pas pu, donc moi je suis resté chez moi tranquille et tout. Ok. Donc ce jour-là, il y avait, tu vois Fatih, il était venu, il était sur Paname, donc il était venu dormir à la baraque. Ouais. Donc moi, le soir, je galérais, je jouais à Smash Bros, je faisais rien de ça, et j'étais un peu dégoûté, tu sais, de parents et famille. Ouais. Et il y a une meuf qui m'envoie un message, elle me dit, ouais, fais rien, vas-y, pas chez moi, tout ça, vas-y, j'ai la flemme, machin. Hein, en plus, les Uber, le 31, c'est majoré, c'est cher. Ouais, c'était majoré. Et la meuf, elle me dit, ouais, viens, machin. Au début, je dis, non, j'ai la flemme, machin. Nanana. En plus, j'ai un peu mal au ventre. Elle me dit, ouais, j'ai la flemme, machin. Nanana. Donc, vers 1h du matin, elle m'envoie un snap rouge. Tu sais, avec les snaps vidéo sans rien, tu vois. Ouais. Elle m'envoie ça. Donc, frère, moi, je vois ça. Je dis, attends, gros, les 2h du matin, t'as rien à faire. J'ai pris l'appli Uber. C'était quoi? Je crois que j'avais payé 45 Attends, euros. Déjà avant tout, c'était quoi le snap rouge? Ah, un nude, mon frère. Mais un nude de l'espace. Ah, tu crois qu'il va m'envoyer son chien? Je vais dire, ah bah tiens, je viens. J'ai vu ça, je fais, hé eh. Donc, elle m'envoie le truc. Donc moi, je lui dis, direct, envoie ton adresse. Donc, elle m'envoie l'adresse, je prends les beurres, j'y vais. J'arrive sur place, déjà, première galère. La voiture, elle me déplace pas au bon endroit. Genre... j'étais à 30 minutes à pied de chez la meuf. Pardon. Mais moi, le problème, c'est que moi, je suis un bouffon. Je suis parti sans charger mon téléphone. J'avais 8% de batterie. Oh là là, mais toi, t'es con, sérieux. Hey, gros.
Donc là, je me dis, là, il me reste 8%. Si je rappelle un Uber pour aller là-bas, je sais pas si ma batterie va tenir. Tant qu'il arrive, que je prends... j'allume l'appli Google Maps. C'est le truc pour OneMap. Je marche les 30 minutes, je marche. Donc la meuf, de temps en temps, m'envoie des messages. Tu sais, je quitte le mode avion pour pas niquer trop de batterie. Elle m'envoie des messages, elle me dit, ouais, t'es où, nanana. Donc moi, je dis à la meuf, franchement, là, je marche, je pense que je vais arriver d'ici une heure. Elle me dit, ouais, une heure, moi, j'arrive pas, tu vois. Donc j'y vais. Comme j'ai des grandes jambes, j'arrive vite, j'arrive, vas-y, au lieu de me faire une heure, j'arrive au bout de, ouais, 35 minutes. Ouais. Donc j'arrive devant la porte, devant l'adresse, et tout, à la base, je toque. J'attends la meuf. Ouais, je me dis, lourd, je vais me mettre bien. Qu'est-ce que je vois? La meuf, elle sort. Et il y a un Renoir avec elle. Quoi? Il y a un mec avec elle. Ok. Et la meuf, elle est en peignoir et tout. Je me dis, ouais, c'est quoi ça? Oh là, mais t'es tombé sur Blackhead, là. Frère, ah, mais moi, dans ma tête, là, quand je vois ça, mon cerveau, il... En fait, je regarde les deux, et en fait, je commence à me faire trop de scénarios. Je me dis, attends, elle veut faire un plan? Attends, ils vont essayer de me kidnapper? Je comprends pas ce qui se passe, quoi. Donc la meuf, elle dit au revoir au mec. Et moi, je rentre. Attends, je me dis, mais attends, c'est quoi ça? C'est délire, tu vois. C'est chacun son tour. Ouais, j'ai dit, je comprends pas. Je rentre dans la maison. Je retire mes chaussures. Je rentre dans sa chambre et tout. Et je lui dis, mais... Non, le mec, attention, le mec, il est... Donc je dis à la meuf, mais c'est qui, lui? Elle me dit, non, c'est un pote, machin, nanani. Je dis, mais attends, mais t'as un peignoir, là. Quoi les boys, tu vois. Elle me dit non, c'est un pote. Donc moi, tu sais, moi, j'ai pas trop posé de questions, mais j'étais perturbé de ouf, tu vois. Donc, on fait nos bails, tout ça, tac, 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 les bails, tout ça, ça fait nos trucs et tout. Et moi, il y avait... Il y avait quoi? Donc, il dormait, tu vois, il dormait ici. Il dormait où? Chez moi, il dormait, là. Ok. Donc, Fatih, vers 4h du matin, elle me dit, t'es où? Moi, je veux rentrer, nanana. Donc, je dis à la meuf, il faut que je me barre. J'ai mon pote qui veut dormir. Donc, j'ai fait ma bail avec les meufs, je rentre chez moi. Je me barre. Qu'est-ce que je reçois le matin? Je reçois un message d'un mec. Et le mec, il me dit « Eh ben, dis donc, ça va te faire des histoires à côté pour... » Elle était morte. Je clique sur son profil et le mec, il met un tweet. « Oh putain, il vient de m'arriver une dinguerie, nanana. » Donc, je vais voir la meuf. Je dis « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre toi et le mec ?» Et la meuf me clique en fait, en gros... Elle l'a chassé de chez lui pour que toi, pour que tu viennes la tarot. Elle pensait que genre, j'allais pas venir. Oh mon dieu. Gravi lui c'était le plan A, et moi j'étais le plan A, et le plan A il est pas venu. Et donc, mon dieu, et donc du coup elle a switché le gars, elle l'a viré de chez lui pour que toi tu puisses y aller. Mais hey, gros, mais la tête de ma mère, moi on me pète un fou. Oh, et c'est ça, ouais, ça sort le switch. Et gros, c'est tant de ouf, j'étais choqué. Et le mec il a tweeté, wow et tout, je m'arrive une dinguerie. Et ma DM il m'a dit, ouais, ça te fera des histoires à raconter pour Radio 5. Eh, j'étais choqué. Bref, ça c'était ma petite histoire de cul du 1er janvier 2020, voilà. Eh bah écoute, j'ai baisé. Vivez la vie de Joël parce qu'il vous arrive des histoires. Absolument... Ah, moi, des histoires, des rocambolesques. J'en ai même une, mais là, je la garde. Vas-y, garde-la pour une prochaine. La prochaine, l'histoire avec une meuf et son petit frère. Bon, bah voilà. Bah écoute, on arrive un peu à la fin, les frères. Ouais, c'était lourd, hein. Bah ouais, vraiment, c'était sympa, sérieux. Ouais, c'était cool. Yass, je suis content que tu sois là, mon gars. Bah de même, hein. Moi, je suis content d'être là. Ça faisait longtemps, franchement, que je vous avais pas parlé. Bah ouais, même si on t'aime pas, dans le fond, tu vois, c'est toujours agréable d'avoir ta présence, ton expertise et tes réactions. Mais la vérité, il a raison, faut trouver un nom pour... Faut trouver un nom. Tu sais, si on veut réagir sur Twitter, les hashtags et tout. Ouais, faut trouver un blaze. Le devoir de la semaine prochaine, c'est trouver un nom. Faut trouver un vrai blaze, ouais, c'est vrai que ça ferait plaisir quand même. D'avoir un truc sur lequel on peut s'identifier. Je vois que vous voulez réagir, mais vous pouvez pas mettre de hashtag ou quoi. Ouais. Par contre le chat vous êtes vraiment à fond, ouais, vous étiez 3000, c'est énorme, donc on vous remercie, ouais. Nous c'est ce qu'on expliquait la dernière fois, c'est qu'on aimait beaucoup faire de la radio, tu vois, de la radio libre comme ça, rigoler, parler ensemble, et ouais. Ça nous fait plaisir, tu vois, de pouvoir retrouver, même si tu vois c'est pas spécialement du radio sexe ou quoi, tu vois, c'est quand même ouais, lourd, et vraiment c'est les cool les gars, ouais, c'est là vous en avez marre ou parce qu'il reste deux histoires en vrai? Ouais mais on les garde pour la semaine pro, t'inquiète. Vas-y pour la semaine pro, pas de soucis, t'inquiète, merci Alex, t'inquiète. Bon, Joël, c'est ton moment, c'est les dédicaces. Ah putain, j'ai dédicace à tout le FC. Ton micro, il coupe, gros. Bosse d'arrache-pied pour aller l'organisation de l'émission. À tous les frères du FC Joël, à tous les viewers, ça fait plaisir. À Kevin de Madrid. À Kevin de Zaïrois. À Mathieu Sakalvici. À Anto Lomo.
Ah, et toi, Yas? Il va m'insulter. Moi, fuck UFO, fuck Shironeki, fuck Cubans, fuck Yanou, fuck Sefi, fuck Damien Sexcudi. Ça s'arrête jamais, sérieux, t'es fou. Eh, Nitro 450, ta grand-mère, ouais, continue. Après, bah, voilà, Instagram, Yas encore, YouTube, Yas encore, puis voilà, quoi. Ah ouais, et moi, retrouvez-moi sur... AS Monaco Esport sur Twitch, voilà. Voilà. Bah écoutez, moi dédicace à vous tous les frères. Moi je suis en live toute la semaine, tous les après-midi si vous voulez venir voir. Ouais. Vendredi prochain, il y a le best-of de cette émission qui sortira sur ma chaîne. Ouais. Il y a déjà le premier qui est sorti il y a 2-3 jours. Donc je vous invite à aller le voir si vous aviez raté la première émission. Et on vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de dimanche. Bonne soirée, et frères. Et ne sortez pas. Et restez pas. Chez vous. Restez et chez partagez vous. Partagez nos clips. Partagez tout. Sauf votre maladie. Sauf ouais. le. Ouais. Allez, bonne soirée les frères. Salut. Salut.